go! Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue sur Ligne Rouge de ce samedi matin. Retour dans cette situation ce matin concernant Bolloré et l'exploitation, la prédation de ce groupe ou de ses entreprises en Afrique, au Cameroun. Ça ne va plus entre le port autonome de Douala et Vincent Bolloré dans l'affaire DIT. Dans cette affaire, ce qui crée le courroux du peuple camerounais, c'est la décision rendu récemment par la chambre d'arbitrage de la Cour internationale de justice de commerce de Paris. Et cela a tellement vexé les Camerounais que la plupart des Camerounais ont réveillé l'affaire de Cambraille et la tragédie qui avait été donc commise à Ezeka, et dont le responsable indexé de manière officielle et par un rapport commis exigé par Paul Biya, le président de la République, avait dangereusement épinglé Vincent Bolloré dans sa gestion de Cambraille au Cameroun. La décision de Paris a donc presque soulevé le peuple camerounais qui exige désormais le départ de Vincent Bolloré dans cette affaire du port autonome de Douala. On va donc revisiter la gestion des entreprises de Bolloré, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique au cours de cette édition, avec un grand travail fait par le Courrier confidentiel. Et toujours dans le registre des contestations, c'est le pouvoir ivoirien, en tout cas le pouvoir considéré par le Conseil national de transition ivoirien comme illégal, qui est désormais mis au dos au mur et épinglé aussi dangereusement par Amnesty International. Amnesty International n'est pas allé par quatre chemins dans un rapport et exige d'Alassane Draman Ouattara la libération immédiate des opposants, des principales figures de l'opposition arrêtées, ainsi que des membres de la société civile et qui avaient été arrêtés de manière arbitraire. Amnesty International exige aussi une enquête et des comptes qui doivent être pour cette ONG, des comptes qui doivent être rendus par le pouvoir à Abidjan sur les viols, les crimes, les assassinats post-électoraux dans ce pays. Amnesty International révèle d'ailleurs que cette situation perdure depuis 2010 et ça fait déjà 10 ans que des crimes se déroulent en Côte d'Ivoire sans que cela soit puni. Alassane Draman Ouattara est donc désormais dos au mur et dangereusement épinglé. Dans la troisième détente ce matin, c'est Emmanuel Macron qui met sur la table la renégociation des relations, tout au moins la reconsidération des relations entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'il faut sortir de cette France-Afrique? Est-ce que Emmanuel Macron a la capacité aujourd'hui, au regard du réveil des Africains, de faire sortir la France de ce qui apparaît désormais comme une affaire ou une situation qui risque de produire l'effet de ce qu'on appelle la bouteille de gaz? En tout cas, nous sommes sur Afrique Média, le média panafricain continental, d'ailleurs mondial, le média de vérité. On se retrouve tout de suite pour aborder ces trois détentes. Madame, monsieur, bonjour. On va donc entrer dans cette édition, dans cette affaire qui concerne la gestion de Bolloré avec ses entreprises en Afrique. Président Bandakani, bonjour. Qui est une communauté lève-tôt, avec ce que cela implique. Je ne reviendrai pas sur la chaleur particulière qui m'anime chaque fois que je vous retrouve sur un plateau, au regard des antécédents pionniers qui nous lient et qui sont très essentiels en termes de repères dans ce combat où n'importe qui il se lève le matin et dit qu'il est panafricaniste. Et ça va dans tous les sens. Et quand on se reconnecte aux actes premiers de ce combat, et il y a une certaine fraîcheur intellectuelle, une certaine fraîcheur de l'engagement.
qui nous prépare à mieux gérer les thèmes comme ceux de ce matin. C'est pour ça que, je voulais le répéter à votre permission, j'ai toujours un plaisir particulier, spécial à me retrouver avec vous sur un plateau. Je salue mes copanélistes, je salue les techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions. Tous les techniciens, je les salue et merci de m'avoir invité ce matin. Alors, on va entrer par là parce que cette affaire de Vincent Bolloré, surtout du port autonome de Douala, vous révélez, hein, ces luttes, hein, le débat, le début de ces combats, ce n'est pas une nouvelle affaire parce que pratiquement, c'est depuis 2004 avec la concession de DIT, une concession qui avait été gagnée de manière mafieuse, il faut le dire, parce que nous avons fait des recherches là-dessus. On a même écrit pour un port enchaîné en Afrique, pratiquement dans l'affaire Vincent Bolloré et Dragados Progossa, qui avait la meilleure offre et qui justement avait été mise de côté. Oui, ça nous a permis depuis toute la semaine où nous sommes au front pour défendre l'intérêt de notre pays face à cette entreprise criminelle et ces réseaux tentaculaires que nous avons désignés sous le vocable d'État profond, hein, l'État dans l'État. Nous avons démontré, sous Amaï Bertoundi, que de telles configurations géoéconomiques ne peuvent pas exister s'il n'y a pas une corrélation, s'il n'y a pas un mariage entre les porteurs de ce genre de projet économique et ce qu'on appelle la corruption, l'État dans l'État, qui permet justement de bâtir ce genre d'empire criminel. Nous l'avons indiqué suffisamment et c'est cela qui explique le problème Bolloré au Cameroun. Vous ne comprenez rien au problème Bolloré au Cameroun si vous ne posez pas sur la table la question de l'État profond. J'ai indiqué que l'État profond, historiquement, dans les précarés français, c'est Foucault et De Gaulle. C'est Foucault et De Gaulle qui ont systématisé le crime, la cruauté et la violence comme instrument d'État pour imposer un ordre néocolonial favorable à la France et ses parrains. Ah, pour aller dans ce sens, pendant que vous évoluez, et le courrier diplomatique a titré, je crois, hier, France-Afrique, comment Bolloré a usurpé le nom de la France pour exploiter l'Afrique? Il n'a même pas usurpé. Il faut clarifier. Vous êtes dans votre rôle de journaliste. Et vous m'amenez à creuser les concepts. Il n'a même pas usurpé. Quand on parle de jeu économie, la jeu économie, c'est quoi? C'est la relation organique qui lie l'État profond, l'État dans ses dimensions de services secrets et certaines grosses multinationales pour aller conquérir les marchés à l'étranger. C'est bien tout dit. On va conquérir les marchés à l'étranger et l'État, ou bien des pans de l'État, vont se marier, vont sceller un mariage avec des porteurs de projets économiques pour aller conquérir les marchés à l'étranger. Et en même temps, ça permet de faire d'une paire deux coups, ça permet de bâtir des réseaux parallèles d'espionnage. Ça permet de bâtir des tenues, de corrompre des dirigeants étrangers et de les tenir dans les réseaux qui permettent à l'État prédateur de prospérer, mais en même temps, à des réseaux politiques de cet État d'avoir une clientèle au niveau international. On est là dans la géoéconomie, hein, c'est différent. On est là dans la géoéconomie. Donc, c'est ce type de rapport qui particularise la relation entre M. Bolloré, l'État français. Et vous connaissez quand M. Sarkozy est arrivé au pouvoir. Il est allé prendre ses premières vacances présidentielles où Thierry Yad privé de M. Bolloré. Ce n'était pas le fait du hasard. M. Bolloré voulait démontrer par là à tous ses potentiels clients que regardez la relation que j'ai. Je suis l'ami intime. Je suis le bras droit du président français. En termes d'affaires, c'est très important. En termes d'affaires, c'est un capital en matière de stratégie et de communication qu'on va convertir en contrat. Et vous avez vu que quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, ça n'a pas traîné, il y a eu l'aventure de la Côte d'Ivoire. Cette aventure criminelle, vous vous rappelez, et où Bolloré a joué un rôle extraordinaire pour l'installation de M. Ouattara au pouvoir. Et vous voyez la suite, les relations qu'il y a entre Sarkozy et Bolloré. Aujourd'hui en France, c'est ce réseau-là que Macron veut capter à son avantage. D'où la mise à l'examen de M. Bolloré. Il n'est pas mis à l'examen parce que la France veut faire la transparence. Non, ce serait enfantin. M. Bolloré est mis à l'examen parce que Macron veut lui donner l'ordre d'abandonner Sarkozy et de traiter avec lui pour que Macron s'enrichisse aussi davantage dans son réseau africain. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il n'a pas hésité. C'est que De Gaulle et Foucault ont créé
C'est la tradition française de Bretagne. Vous avez bien la fin, Elf? Elf était la trésorerie secrète de l'État français entre les mains de Gaulle. Or, Elf, sa richesse venait d'où? De la captation, de la prise en otage, du brigandage. C'est-à-dire que on a fondu sur le pétrole africain qui était une propriété de Gaulle et qui avait explosé dans l'affaire Elf. Vous vous souvenez, après des guerres civiles par-ci, par-là, les coups d'État, les crimes. Donc, De Gaulle avait une trésorerie importante avec Foucault qu'il gérait à travers l'entreprise qu'on appelait. C'est ça la géoéconomie. C'est ça qui continue sur une forme nouvelle avec M. Bolloré. Dans le cas du Cameroun, c'est ce qu'il a fait. M. Bolloré est arrivé au Cameroun, il n'a même pas de l'argent. C'est-à-dire, c'est grave parce que, regardez, on donne un pan aussi stratégique d'un État à quelqu'un sans qu'il ait de l'argent. Écoutez, oui. 600 millions de francs. Oui. Un capital de 4 milliards. On s'est moqué les Camerounais. On leur a donné ça cadeau. Il m'a tout dit. Cadeau. Un capital qu'il n'a même pas libéré. Il n'a même pas libéré ça. Les 600 millions là, où sont les traces qu'il a versées? Où sont les traces? On leur a donné ça cadeau. Et ce sont les Camerounais qui ont enrichi M. Bolloré, qui en retour partageaient les miettes avec les réseaux profonds de l'État camerounais. Et les secrets commencent à sortir. Les cités commencent à sortir, où les Camerounais vont voir de plus en plus clair dans le tableau de corruption et de crime qui a permis à M. Bolloré de faire main basse sur ce secteur de notre économie et de narguer l'État du Cameroun. Parce que la décision qu'on a prise à Paris, c'est pour insulter l'État du Cameroun. Et moi, je continue à dire, même s'il peut se prévaloir de l'article 31 en matière de gestion du contentieux, je continue à dire, c'est un torchon. Le Cameroun a des arguments puissants en se basant toujours sur la Convention. Parce que c'est de la faute. Si ceux qui ont écrit la Convention se sont permis de faire qu'il y ait plusieurs régimes juridiques qui gèrent la Convention, que le Cameroun en tire profit. Que le Cameroun en tire profit, oui. Justement, tout à fait. Pour achever là-dessus, c'est pour ça que la plupart des Camerounais, les juristes, les fins observateurs disent que la décision-là ne concerne pas le Cameroun. Mais c'est du n'importe quoi. C'est une politique. Je vous dis, c'est le chantage. Tout à l'heure, vous avez convoqué Cambrai. La convention de Cambrai est en train de finir. Il veut faire chanter le Cameroun. C'est le chantage qu'il est en train de faire. C'est une position qu'il veut. Il veut se réhabiliter et se mettre dans une posture de négociation avec le Cameroun. Nous avons démontré que M. Bolloré ne peut pas dialoguer avec le Cameroun. C'est un criminel. C'est un truand. Et c'est un prédateur sans foi ni loi. À la limite, il a les méthodes de gangstérisme les plus primaires. À ce titre, il ne peut pas discuter avec le Cameroun parce que le Cameroun a des dossiers. Vous soulevez le port, des dossiers extraordinaires. Vous allez à Kribi. Vous pouvez me dire comment M. Bolloré se retrouvait dans le capital de Kribi alors qu'il avait perdu l'appel d'offres. Hein? Dans l'appel d'offres, il avait échoué. Mais comment a-t-il fait pour se retrouver? Se retrouver à Kribi. Là encore, si on soulève ça, il y a beaucoup, beaucoup de dessous sales, très sales, qui donnent un répertoire d'arguments puissants pour le faire taire. Vous allez à Cambrai. M. Bolloré, qu'est-ce qu'il va dire? Cambrai, c'est un scandale. C'est un crime. Je vais te dire. Faites une émission spéciale. On vient ici avec les dossiers. Vous allez voir, avant même qu'il ne tue les Camerounais à Iseka, la gestion de Cambrai était déjà un scandale. Où vous allez encore voir les pratiques de criminalité économique de l'État profond en rapport à M. Bolloré. Vous allez à Pendja, dans sa base arrière. Vous avez vu comment les gens font là-bas? Vous avez vu? C'est l'esclavage, M. Bétoudi. En plein 21e siècle, c'est l'esclavage. Et il y a des plaintes contre lui en la matière. Donc, M. Bolloré n'est pas en mesure de parler avec le Cameroun. Parce que tous les contrats que le lui avec le Cameroun sont des contrats hyper mafieux. Ou si, sur lesquels, si on soulève la marmite, vous comprenez, l'odeur sera tellement indécent, nauséabond, que le monde entier va suffoquer. Vous avez vu une odeur qui peut empoisonner le monde entier? Le monde entier va suffoquer. Si on ouvre le couvercle, si on soulève le couvercle de la marmite, des contrats qui lient M. Bolloré au Cameroun. Donc, l'État du Cameroun, j'ai dit la partie saine de l'État du Cameroun, la partie patriotique de l'État du Cameroun. Et moi, je les connais, ces fonctionnaires, ces ministres, ces agents de la présidence, consciencieux, qui travaillent pour le pays. C'est à eux que nous nous adressons. C'est eux l'espoir, mon cher Bétoundi. C'est cette partie de l'État du Cameroun-là qui a donné les moyens au port. Alors justement, pour les performances que vous observez le là. Le courrier diplomatique est revenu dans cette affaire très curieuse du port en eau profonde de Kribi. Bolloré n'est pas retenu dans l'offre d'appel. Vincent Bolloré n'est pas retenu. C'est plutôt François Hollande qui court et qui vient faire comme des influences. Oui, oui, c'est Bolloré. Bolloré se retrouve curieusement... c'est ce qu'on dit. On met François là devant. Mais
ceux qui géraient ce portefeuille, ce sont eux qui ont manœuvré pour le faire rebondir à l'intérieur. Ah, ceux qui géraient le portefeuille. Bien sûr, parce que M. Bolloré. C'est-à-dire les Camerounais. Bien sûr, comment il faut dire. C'est ça, M. Bertoun dit. Parce que M. Bolloré, en capacité de mieux disance hein, en termes d'affaires, on dit quand on dit mieux. Quelqu'un qui, quand on dit que vous êtes mieux disant en termes d'offres, c'est que vous avez les capacités techniques, financières et managériales pour confronter les offres. Monsieur Bolloré n'a jamais eu ces capacités. Nulle part en Afrique, il n'a jamais eu ces capacités. Donc si on fait les appels d'offres réguliers, il va toujours échouer. D'où donc la convocation de l'appui français, des salles politiques, mais aussi la construction d'un État corrompu au sein de l'État pour plomber les capacités de l'État à suivre les dossiers. Dans l'intérêt du pays. C'est ça qui explique qu'il gagne des contrats. Vous comprenez? C'est ça qui explique. Donc moi, je suis en train de dire que dans le cas d'espèce de cette décision de la Cour de machin de chambre arbitrale de Paris, moi, j'en parle avec un peu de respect parce qu'il y a un article 31 de la Convention qui parle de ça. Mais je vous ai démontré tout à l'heure que, et avant que, il y a un régime pluriel. La Convention est dirigé sur le plan juridique, est présidé juridiquement par plusieurs ordres de juridiction. Vous avez l'OADA, les lois du Cameroun, plus la Cour d'arbitrage de Paris. Si, en matière de contentieux, il a, à travers la corruption, amené les gens à lui donner un boulevard extraordinaire en matière de contentieux, ça ne paralyse pas l'État du Cameroun. Pas du tout, au contraire. Il faut le dire. Et pour ça, il faudra donc désormais mobiliser sur ce dossier, si notre avis compte, la partie propre de l'État du Cameroun, les patrons de l'État du Cameroun, ces ministres-là, ces ceux qui travaillent à la présidence, qui sont consciencieux, il y en a comme ça, Prévert-Coury. Ce sont ces gens qui font à ce que le port soit performant. Et dans beaucoup de dossiers, vous voyez où le Cameroun est en train d'émerger dans plusieurs dossiers, c'est cette partie de l'État, patriotique, claire, qui respecte les consignes du président, qui ne travaille pas à saboter le président, qui diligente ces dossiers et ça avance. Donc, la bagarre qu'il y a entre, on parle de l'État profond, la bagarre qu'il y a entre la partie corrompue de l'État, cet État profond corrompu, et la partie patriotique saine de l'État, est au cœur de ces enjeux. Et M. Bolloré veut donc opposer la partie corrompue de l'État à la partie patriotique pour faire passer ses intérêts. C'est pour ça que de plus en plus de secrets sortent. Pour être exposés sur la place publique, n'est-ce pas, ces agents, ces ministres, ces réseaux criminels, corrompu de l'État profond franco-camerounais qui empêche le Cameroun, n'est-ce pas, de valoriser à sa juste mesure son patrimoine. Alain Gilles Meunier, rebonjour, ou tout au moins bonjour, on s'est dit bonjour en coulisses, mais maintenant bonjour. Vous êtes deux de ce côté de Zoom, Alain Gilles Meunier et Samuel Diendor Yumbi. Vous avez suivi Mbandakane. Vous êtes à Paris, Alain Gilles Meunier, la chambre d'arbitrage dont nous parlons est là-bas. Il y a quand même des curiosités qui ne se vivent que sous les tropiques et qui ne peuvent pas se vivre là-bas. Est-ce que c'est possible que une juridiction là-bas puisse marcher sur un décret d'un président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron? Écoutez, bonjour à vous encore une fois, bonjour à M. Mbandakane, bonjour à toute votre équipe technique, hein, bien évidemment, et bonjour l'Afrique et le monde. En réalité, je crois que ce qui est en train de se passer avec le tribunal arbitral, hein, n'est-ce pas, la Chambre de commerce de Paris, c'est, je l'avais dit une fois, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que on voit une justice à la limite aux ordres et corrompue, il faut le dire, hein, n'est-ce pas, qui est au service en fait de ce que je nommais la dernière fois que j'étais sur votre plateau de patriotisme économique. C'est-à-dire que le patriotisme économique laisse à la rue pratiquement toutes les bonnes mœurs. Donc par conséquent, je crois que c'est l'État qui travaille en sourdine pour mettre en difficulté l'État camerounais, je veux dire l'État français, bien évidemment. Donc, je ne crois pas que si M. Emmanuel Macron prend une décision, un décret, qu'un tribunal va forcément s'opposer à ce décret-là. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme moins que rien, notamment, je crois que M. Mbandakane le précisait tout à l'heure, il suffit simplement qu'on mette sur la table, bien évidemment,
les performances actuelles, n'est-ce pas, de la régie du port autonome de Douala, pour comprendre que, effectivement, en comparaison avec les chiffres de la tambouille, hein, la tambouille mortelle de Bolloré, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver et dire que voilà, j'ai été floué. C'est pratiquement impossible. Parce que sur ces 15 ans, ses performances, puisqu'on a les chiffres, il est venu s'enrichir simplement. Il n'a rien fait. En quelques mois, justement, la régie a acquis de nouveaux matériels très performants. La régie a fait des résultats probants. Ça ne se dispute pas parce que les chiffres ne trompent pas. Les chiffres n'ont jamais menti. Donc, il y a des bases claires et nettes sur le plan juridique, bien évidemment, et sur le plan au niveau de la practice même. C'est-à-dire que la pratique actuelle de la régie est telle que Bolloré, en réalité, est en train de faire, je crois que quelqu'un l'a dit, hein, peut-être c'est vous, du chantage. C'est du chantage. C'est-à-dire que c'est une grosse arnaque, c'est de la falsification. Et je crois que j'épouse hein, l'avis des Camerounais, en tant que Camerounais, en tant que patriote, pour que ce monsieur soit bouté hors, n'est-ce pas, des affaires camerounaises. Bien évidemment, on sait très bien que partout où il met son doigt, c'est complètement... On le voit partout, pratiquement. On a parlé tout à l'heure de la Cabraille. Sachez que depuis le 19e siècle, la Convention de Berne, n'est-ce pas, c'était, je crois que si j'ai bonne mémoire, en 1886, stipule ceci. Au niveau de, comment ça s'appelle, l'écartement des rails, c'est, alors, 1435 mm. Et sachez que nos rails font aujourd'hui 1000 mm. C'est-à-dire qu'on est encore à l'époque coloniale, pratiquement. Donc, ça veut dire quoi? Il a pris Cambrai pour faire quoi? Simplement pour s'enrichir. Par conséquent, je crois qu'en venant avec de vieilles locomotives, bien évidemment, parce que je vous dis que depuis la convention de Berne en 1886, les rails ont 1435 mm. Et nos rails actuels sont de 1000 mm. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que nos trains sont lents, forcément, parce que vous ne pouvez pas comprendre que partir de Yaoundé à Gaoundéré, qu'on puisse mettre pratiquement une journée. C'est incroyable. Alors que c'est combien de kilomètres? Partir de Douala à Yaoundé, il n'y a même pas 300 kilomètres. On met des heures et des heures. Ce n'est pas normal. Ça veut simplement dire que ce monsieur, bien évidemment, il y a au côté mafieux, n'est-ce pas, au niveau de certains dirigeants camerounais qui acceptent cela simplement pour s'enrichir, eux, et au détriment du pays. Donc, je crois que le chef de l'État et les gens qui, de bonne foi, doivent dénoncer ces gens-là et que le chef de l'État les sanctionne, simplement. Donc, c'est ce que je peux dire pour entamer notre débat, n'est-ce pas, de ce samedi matin. Voilà. Merci à vous, Alain-Jules Meillet. Alors, Samuel Diondo Yumbi, c'est vrai, je vous ai déjà interrogé, hein, questionné sur ce plan-là. Ben, ce samedi matin, nous revenons là-dessus. On sait quand même que c'est le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est au pouvoir. Et on sait aussi que dans cet état profond, la plupart des membres sont dans ce parti. Est-ce que dans ce pays-là... c'est une manière de se faire harakiri, comme on dit là-bas, dans cet état profond, parce que s'il y a des gens dans cet état profond, les plus proches sont ceux qui sont dans ce parti et ceux qui sont justement aux affaires. Est-ce que vous, du RDPC, vous ne sentez pas concerné? Je préfère présenter les choses de cette manière-là. Puisqu'aujourd'hui, apparemment, il y a des notes qui sortent, des lettres qui sortent et autres. Bonjour, monsieur, mon cher Hubert Itoundi, et bonjour à mes copanélistes Alain Jumeignet, le président Balakamada Gani, que je salue en passant, et bonjour à tous les techniciens qui, grâce à eux, malgré toutes les difficultés, Afrique Média résiste et qu'elle résistera parce que l'Afrique a pris conscience, comme elle a toujours été,
dans sa maturité, à savoir que le 21e siècle se fera avec l'Afrique. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs panafricains d'Afrique Média. Et Monsieur Jules Tundi, la question qu'on me posait, il faut le savoir que la politique, elle est faite pour donner des règles pour la construction et le développement d'un pays. Et quand le politique met sa vision sur la base de son idéologie, elle recrute des hommes. Et ce sont ces hommes qui sont appelés à mettre sur pied la vision politique de ce parti politique. Donc, je suis militant du RDPC. Et ces hommes, vous ne pouvez pas mettre un policier derrière le bureau de chaque Camerounais pour voir comment il doit travailler. Nous sommes obligés de nous rendre compte tout simplement qu'il y a toujours des brebis galeuses partout et dans toutes les administrations dans le monde. Il y aura toujours, même en Chine, il y a toujours des brebis galeuses. Nous avons vu comment l'administration chinoise, le parti communiste chinois a eu à mettre des administrateurs sur le poteau ou les fusiller. Donc, ce qui veut dire que la vision politique du RDPC aujourd'hui, elle se sent pas tout à fait concernée, tout simplement parce qu'elle n'a pas failli. Mais par contre, c'est alors là, Samuel Dionodor Yumbi, certainement il va revenir. Mais moi, je reste assez précis sur cette interrogation. Lorsqu'on parle d'un état profond et que c'est cet état profond qui a vendu, parce que les faits sont quand même avérés, a vendu le port et la souveraineté à Bolloré, cet état profond, Badakani, on va quand même dire des vérités. Dans cette affaire Bolloré, parce qu'il y a cette situation Camraï. D'ailleurs, le rapport exigé lors de la situation par le chef de l'État a été commis. Le rapport a indexé Bolloré, en fait Camraï, comme responsable. Les victimes aujourd'hui sont toujours, je ne sais pas si elles ont été indemnisées. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Cet état profond. Ça veut dire que Paul Biya dit une chose, l'État profond dit le contraire, c'est ça? Mais d'abord, il y a une incongruité dans cette affaire, M. Hébert Retoundi. D'abord, l'État du Cameroun, qui n'est pas responsable de cette catastrophe, débloque 1 milliard pour les victimes. Comment ça a été géré? Quel est le bilan, quel est le point sur les 1 milliard que le président a géré, a débloqué comme contribution de l'État, apport de l'État pour assister la victime, monsieur est bien retenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que quelqu'un tue les Camerounais, le président, parce que bon, c'est quand même l'État qui est en convention avec lui, on débloque 1 milliard pour les victimes. À ce jour, quelle est la situation de ces 1 milliard? Est-ce que vous avez un rapport qui vous renseigne sur la dévolution spécifique en termes de victimes de ce milliard-là? Il y a même plus grave. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que même ce milliard qui a été détourné pour financer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'indemnisation des victimes au profit de M. Bolloré par les mécanismes de l'État profond? Suivez très bien mon regard. Moi, comme on démontre le contraire. Comme on démontre le contraire, pour que vous compreniez la profondeur de l'État profond. Bien, comment cette affaire? Donc, voilà quelqu'un, le président avait dit. Quand le président a diligenté l'enquête, le rapport a été fait. Le président a ordonné à son secrétaire général de publier les conclusions de cette affaire, où il établit qu'on n'avait pas fait un accident. C'est établi. Et à l'époque, nous avons dit à l'époque que s'il y a une chose, c'est-à-dire que le président nous a donné quelque chose d'extraordinaire qui va nous servir même dans 100 ans, ce document-là. Et nous le gardons très bien. Nous le gardons très bien. Et le président avait dit qu'il va tirer toutes les conséquences, oui. Il avait dit. Et on peut voir à travers la manière dont s'est réglée la question du DIT, la question du port autonome DIT, que le président a commencé à tirer les conséquences. Et c'est pour ça que je posais le décret. C'est très important. Et l'État profond donc affronte le président et sabote. Sur la question des victimes du drame des écarts, il n'y a pas eu d'indemnisation.
Parce que pourquoi on parle d'indemnisation, M. Béretoudi? Il faut que les standards internationaux à la matière soient appliqués dans tout le processus. Elle dit pourquoi on parle. Donc, ceux qui osent parler au Cameroun d'indemnisation se moquent des victimes, les tuent deux fois. On les inflige une deuxième mort. Parce qu'à la matière, pourquoi on parle d'indemnisation sur des cas précis, il faut que les standards internationaux à la matière soient respectés. Or, M. Béretoudi, je vous parle à connaissance de cause. Moi qui me suis impliqué dans cette affaire à un niveau, je me suis engagé à fond. Nous avons travaillé avec les cabinets d'avocats avec lesquels on a fait des émissions ici à Afrique Média. Nous avons suivi ce dossier. Ces cabinets d'avocats ont mobilisé les standards internationaux en la matière sur qu'est-ce que l'indemnisation, comment déjà qualifier, comment qualifier et évaluer le degré de préjudice que victime a subi, M. Béretoudi. Il y a des standards. Comment qualifier d'abord la catastrophe à ce niveau? Comment qualifier les victimes? Or, l'État profond camerounais, mobilisé par Bolloré, a exclu, a pratiquement chassé cet avocat du processus. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, les victimes n'avaient personne pour les défendre. Comment vous allez indemniser les gens qui ne savent même pas de quoi on parle? Une victime qui a été massacrée par un assassinat programmé de M. Bolloré. Il a quelle compétence pour évaluer un préjudice dont il est victime? Il a quelle compétence? Il n'a pas de compétence. Donc il lui faut un accompagnateur, oui. Il lui faut un secours judiciaire, il lui faut, n'est-ce pas, des avocats qui l'encadrent. Or, quand on écarte les avocats et que M. Bolloré est lui-même, il devient lui-même l'assassin, celui qui évalue le préjudice, celui qui paye le préjudice. Mais à la fin, pas de manigances qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est lui qui gagne à travers un jeu truqué des assureurs, au plan local et au plan international. Mais à la fin, Béretoudi, il tue les gens, il gagne encore de l'argent sur eux, M. Béretoudi. Mais c'est quand même terrible. Moi, je peux vous faire venir ici, ce cabinet d'avocats, ils sont là. On a travaillé, ils sont là, M. Béretoudi. Mais qui était derrière ça? C'est l'État profond. Monsieur, les responsables de Camara ont été condamnés à cette affaire. Ils sont en prison. Bon, moi, je veux qu'on me demande le contraire. Si je me trompe, qu'on me demande le contraire. Hein. Je veux me tromper, hein. Mais moi, je pose la question. C'est le sens de ma question. Je vous réponds, est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils sont en prison? Donc, vous avez là un cas grave, M. Béretoudi. Quelqu'un organise la mort des Camerounais sur la base d'une programmation. C'est pas une défaillance parce qu'il y a le chauffeur du train qui a témoigné. Il est établi, quelqu'un dit qu'il ne peut pas conduire, conduit pas l'affaire ici, il est établi que c'est défaillant. On l'impose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de dépenser. Parce qu'on refuse d'investir. Parce que les Camerounais sont des choses, doit M. Bolloré. Les Camerounais passent longtemps après ces marchandises qu'il doit porter, les billes de bois qu'il doit porter et le transport de tout ce qui est lié au pipeline. Donc, tout ça, ça passe, les Camerounais passent longtemps après. Et qu'il n'y a pas 5 francs à investir pour le confort, non seulement dans le train. Il a écarté la dimension sociale du transport, vous savez ça, et il a même fait que l'État le subventionne. Oh mon Dieu, c'est quand même très grave. L'État l'a subventionné malgré ça. Le gars, il a mis de côté le transport. Le train n'était pas seulement un moyen de transport. Le train était devenu une culture pour les populations riveraines des rails, M. Béretoudi. Le train était dans leur mode de vie. Le train rythmait leur mode de vie. M. Bolloré a mis tout ça de côté au profit du transport marchandises pour gagner de l'argent et des milliards. Il s'en fout du confort. Il n'a rien investi. Quand l'accident arrive, il va ramasser des vieux trains à la fin dessus. Il met la peinture dessus et on mobilise comme d'habitude le premier ministre de l'époque qui vient inaugurer les faux trains de M. Bolloré. Les vieux trains. Il a mis la peinture dessus. Il n'a rien investi à Cameroun. Vous comprenez? Je dis absolument rien du tout. Donc, c'est un scandale, M. Béretoudi. Quelqu'un tue les gens exprès. Il dit, il tue les gens exprès. C'est démontré par le rapport d'enquête. Mais quand il faut indemniser les gens, il fait encore un montage avec l'appui de l'État profond pour s'enrichir sur leur cadavre, M. Béretoudi. Personne n'a été indemnisé. Je dis bien, personne. Personne n'a été indemnisé. C'est grave. Pourquoi? L'État profond. Et d'ailleurs, des intellectuels, hein, des universitaires qui étaient dans ce train, qui sont sortis, certains, il y a un qui a longuement témoigné sur cette affaire. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de nomination. Je vous dis, si quelqu'un veut demander le contraire, il vient ici.
Je vous ai dit, pour qu'on qualifie une démarche d'indemnisation, il y a des standards qui sont requis. Ces standards doivent être respectés. On peut les classer A, B, C, D, mais peu importe. Ces standards doivent être respectés, Monsieur Bolloré. Parce qu'il est protégé par ses copains qui sont au sein de l'État, l'État profond, s'est permis d'écarter tout ça et d'en faire à sa guise. Je vous dis que j'ai travaillé avec ce cabinet existe encore. Il y a d'abord, j'aime le dossier parce qu'on montait ce dossier ensemble avec ce cabinet d'avocats. M. Bertundi, nous, on ne fait pas le bruit. Nous, on a notre manière de faire la politique. Moi, je vous ai même dit ça ici un jour. Mais j'ai les dossiers, ces avocats existent. Ils peuvent témoigner. J'ai été le seul homme politique qui a été sensible à leur appel. Le seul. D'autres ont fui. Pourquoi? Comme je vous ai dit ici, aucun parti politique au Cameroun ne peut parler fort à M. Bolloré. Aucun! Merci. La connexion est venue, hein, je crois. Samuel Dieunodor Yumbi, vous êtes avec nous. Vous allez vraiment m'excuser. Moi, je reste dans ce flair qui est le nôtre, celui du journaliste. Je n'en veux pas au RDPC. Mais les faits sont tellement criards, les faits sont tellement graves, comme M. Mbandakane vient de le dire. Aucune victime n'a été indemnisée et ça se poursuit calmement. Tout le monde regarde Bolloré se pavane royalement. Il va même à Kribi, il gagne autre chose. Au port autonome de Douala, il revient. Pourquoi cela se passe de cette manière, Samuel Dieunodor Yumbi? Oui, monsieur, mais tout dit, quand on dit l'état profond, ce n'est pas le RDPC. L'état profond, ce sont des individus. Même s'ils appartiennent au parti, mais ce sont de ces individus qui sont en train de mettre toute cette pagaille dans l'administration camerounaise et auprès du chef et dans le gouvernement camerounais. Ce n'est pas le RDPC qu'il faut regarder, ce sont des individus qui font cet état profond qui devient une pègre au sein du gouvernement camerounais, dans l'état camerounais profond elle-même. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'après que Bolloré soit passé 15 ans au port autonome à la DIT, et ce que vous voyez aujourd'hui, cette nouvelle équipe qui est mise aujourd'hui au port autonome de Douala, vous vous rendez compte que l'État profond n'a pas pu mettre la main sur cette nouvelle génération, sur cette nouvelle jeune, sur cette nouvelle dynamique qui est sur place. Donc, nous pouvons tout simplement reconnaître, comme l'a dit si bien et le président Mbandakane, l'état profond, ce sont ces individus qui sont à la merci de la servitude du colon. Parce que quand M. Bolloré est au Cameroun, il n'est pas au Cameroun parce qu'il vient pour enrichir les Camerounais ou l'Afrique. M. Bolloré vient tout simplement continuer la charte de la servitude en Afrique. Et tant pour avoir la possibilité de continuer cette servitude, il faut avoir ceux qui seront sur place, sur le terrain, pour vous permettre d'avancer. Et cela, ça ne regarde pas un parti politique, ça regarde plutôt des individus masqués au sein même de certains partis politiques, que si vous voulez les voir aujourd'hui, vous allez voir que tous ils ont l'étiquette parti politique, mais ce n'est pas la vision de ce parti politique qui est le RDPC pour pouvoir statuer que voilà, il faut favoriser M. Bolloré. Non! Aujourd'hui, nous sommes plutôt face à un regard de tension que les populations camerounaises sont tous debout pour regarder en face la protection de leurs intérêts sur leur souveraineté, de se dire que M. Bolloré, aujourd'hui, est venu pour continuer la servitude et nous ne pouvons pas rendre riche cette multinationale à la mesure qu'elle ne nous apporte rien. Si telle multinationale, qu'elle soit de n'importe quel pays et que ça soit et une société qui n'apporte rien aux Camerounais, nous ne pouvons pas l'accepter. Et aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits que la goutte d'eau a débordé la vase, les Camerounais ayant pris leur sens, leur responsabilité dans leur maturité, sont tous éveillés de savoir les intérêts du Cameroun, comme avec qui l'affaire, avec qui partager. Et nous sommes tous heureux que cette goutte d'eau qui a débordé la vase s'applique directement sur M. Bolloré, que pour une fois, ça s'est passé au Cameroun, que la justice camerounaise a eu à condamner, même si c'était tout simplement, par souci, une multinationale européenne
française, en particulier au Cameroun. Ce qui veut dire que la justice camerounaise n'est pas en train de faire des faveurs avec des multinationales au Cameroun. Et la suite de l'appel qui avait été fait, la suite de ce tribunal, est en train de nous démontrer le défavorisme qui se passe aujourd'hui dans la multinationale qui est en train de vouloir faire du chantage au Cameroun et aux Camerounais en particulier. Et cela, ça nous amène donc à rentrer dans le fond du dossier de l'arrivée de M. Bolloré au Cameroun. Et c'est là que nous allons trouver qu'au fond, finalement, il y avait ces personnes instruites dans le gouvernement. On va certainement revenir à vous, hein, des soucis de liaison. De connexion ce matin. Vous restez avec nous, ça va s'arranger. Pendant ce temps, on va, je le disais tout à l'heure, hein, comme le disait le président Bandakani, pour avoir travaillé, ça fait plus de 10 ans, 15 ans aujourd'hui, sur ce dossier, dans cette affaire de corruption. Corruption, et je le dis en connaissance de cause, pour avoir travaillé avec le cabinet, je dois le citer, Koum et Patnin, qui était justement l'avocat, le cabinet qu'avait saisi Jacques Dupuy-Dauby. Je crois qu'on va aller suivre cet entretien de cet industriel rival de Bolloré dans cette affaire de corruption à haut vol. D'ailleurs, Siam Siwa en a payé, hein, de ses frais, c'est vrai. Alors, on va suivre cet entretien réalisé par Afrique Média. On le survient tout de suite. Retrouvez en direct Jacques Dupuy-Dauby. Jacques Dupuy-Dauby, bonsoir. Bienvenue à cette édition du débat panafricain. Alors, nous parlons avec vous de la mise en examen de Vincent Bolloré. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle et quelle est l'analyse que vous en faites? Bien, écoutez, j'ai accueilli cette nouvelle sans surprise parce que, comme vous le savez, j'ai déposé en 2011 des plaintes contre M. Bolloré pour corruption et trafic d'influence et autres. Ces plaintes sont instruites depuis 2013 par le juge Serge Tourner, qui m'a reçu à plusieurs reprises et auquel j'ai remis de très nombreux documents sur la façon dont Bolloré a volé les différentes entreprises que j'avais en Afrique, qui étaient bien connues, c'est-à-dire les entreprises de mon groupe, le groupe Progopharm. Ce fut le cas au Togo, au Gabon, au Cameroun et en Libye. Donc, je savais que le juge instruisait ses plaintes. Et donc, lorsque j'ai appris la mise en garde à vue de M. Bolloré, eh bien, j'ai pu constater que la justice faisait son travail. Maintenant, M. Bolloré est donc mis en examen dans des chefs d'accusation extrêmement graves, comme vous le savez, et notamment de corruption internationale. Je pense que cette affaire va connaître des suites très lourdes pour lui, pour son groupe et pour ses entreprises. Je pense que le juge ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, je vous informe que j'ai chargé mes avocats, et notamment maître William Bourdon, que vous connaissez bien, de joindre le juge demain ou après-demain pour lui dire que je me porte partie civile dans ce nouveau dossier. Donc, je suis satisfait, puisque vous demandez ma réaction, je suis satisfait de voir que la justice française fait son travail, et j'espère que toute la lumière va pouvoir être faite sur les méthodes de travail, si on peut appeler ça comme ça, de M. Bolloré, qui, dans les différents pays que moi je connais en tout cas, sont basés sur la corruption et le trafic d'influence. Voilà ma réaction. Alors, si on vous a bien compris, au-delà d'être vous-même victime de Vincent Bolloré, vous vous présentez comme celui par qui Vincent Bolloré pourrait tomber. Est-ce que c'est ça? Je n'ai pas entendu votre question. Est-ce que vous vous présentez là comme celui par qui Vincent Bolloré pourrait tomber? Ah, écoutez, je n'ai pas cette prétention.
Je vous dis simplement que j'ai déposé des plaintes et que je constate à travers ce que dit la presse, et vous savez qu'en France on en parle énormément sur toutes les chaînes de télévision, de radio et dans la presse, je constate que les faits qui sont visés par le juge coïncident très exactement avec les plaintes que moi j'ai déposées contre M. Bolloré. Alors, je pense que les plaintes que j'ai déposées ont permis au juge de démarrer ses enquêtes et ensuite, je pense qu'il a dû entendre beaucoup de gens, qu'il a fait, comme vous le savez, des perquisitions au siège de Bolloré. Et je pense que mes plaintes, plus tout ce que le juge a pu rassembler, aboutissent à ce résultat. Mais comme je vais me porter partie civile demain ou après-demain, là nous sommes dans le pont du 1er mai, alors c'est compliqué. Mais je serai donc au plus tard jeudi partie civile, j'aurai donc accès au dossier en tant que partie civile, je verrai ensuite le juge et je pourrai voir ce qu'il en est des éléments que je lui ai donnés à travers les plaintes que j'ai déposées et à travers les très longues auditions que j'ai eues chez ce juge, en tant que plaignant pour mes plaintes, en tant que partie civile, et je pense que je vais retrouver beaucoup des éléments que je lui avais donnés. Alors de là de dire, à dire que je fais tomber M. Bolloré, je n'ai encore une fois pas cette prétention, mais je pense que les actions que j'ai menées en justice contre ce monsieur depuis maintenant presque 9 ans, n'ont pas été inutiles et je ne regrette pas d'avoir mené cette affaire avec ténacité et avec persévérance, bien que tout le monde, je dis bien tout le monde, ait essayé de me faire retirer mes plaintes et que tout le monde ait considéré que j'étais pratiquement un malade mental, sinon un fou, de m'attaquer à cet homme aussi puissant. Alors, je vois que l'homme aussi puissant est aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement grave. Et quand on est à la tête d'un groupe aussi puissant que le sien, présent sur pratiquement toute la planète, eh bien, être accusé de corruption internationale, c'est une accusation extrêmement grave. Je pense qu'aujourd'hui, il va avoir quelques problèmes avec ses actionnaires, quelques problèmes avec les banques. Je ne vois pas quel est aujourd'hui le banquier qui va vouloir continuer à travailler avec quelqu'un qui est accusé de choses aussi graves. Et puisque nous sommes en Afrique, puisque nous parlons d'Afrique, je ne sais pas si les chefs d'État africains vont avoir beaucoup de plaisir dans les temps qui viennent à s'afficher avec lui, à se faire prendre en photo avec lui, et si je puis dire, à lui servir la soupe. Je pense qu'il va devenir un espèce de pestiféré, et que beaucoup de gens vont prendre leur distance avec lui. Voilà mon analyse. Alors, Jacques Dupuis d'Obi, puisque nous en parlons, qu'en est-il du cas du Cameroun? On sait qu'au Cameroun également, M. Bolloré est jouit d'une certaine influence, mais est-ce qu'à ce niveau aussi, le dossier essaye d'avancer? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne le Cameroun, vous savez que pour le terminal, nous avions gagné l'appel d'offres, ça avait été reconnu par la Banque mondiale. La Banque, mais en dépit des lettres multiples que la Banque mondiale avait adressées au gouvernement, eh bien, le contrat, la convention sur le port de Douala ne m'avait pas été, cette convention, à propos de laquelle j'ai quand même une lettre, je vous signale, de la présidence de la République disant qu'on me l'attribue et qu'on la retire à Bolloré. Eh bien, ceci n'a pas été suivi des faits. J'avais déposé une plainte avec constitution de partie civile pour corruption et pour des raisons sur lesquelles j'ai un petit peu, j'ai mon opinion, eh bien, cette plainte n'a pas prospéré. J'ai donc, dès que la mise en examen de M. Bolloré a été connue, j'ai demandé à mon avocate toujours au Cameroun, qui est maître Constant Koum, de bien vouloir relancer cette affaire immédiatement auprès de la justice camerounaise, car j'espère bien que justice va m'être rendue et que cette plainte va pouvoir redémarrer.
dans cette action, Maître Koum pourra s'appuyer, bien sûr, sur la très grande expérience et la réputation de mon avocat parisien, William Bourdon, dont vous connaissez l'efficacité et la réputation, et je suis bien décidé à ce que cette affaire cesse d'être enterrée comme elle l'est maintenant depuis des années. Alors, Jacques Dupuis ? Oui, je suis là, oui. Ah, d'accord. Alors, très bien. Justement, à ce niveau, nous savons aussi que Vincent Bolloré a engagé une action contre la chaîne télévision française France 2 pour avoir fait un reportage, une enquête d'ailleurs, sur ses pratiques sur le continent, notamment au Cameroun, dans les Palmeraies. Est-ce que la justice pourrait aussi se saisir d'un tel dossier pour que ça pèse un peu ? Écoutez, je connais très bien le journaliste M. Valec qui a fait ce reportage. Je connais moi-même, vous savez que je connais très bien le Cameroun, puisque j'ai avant d'être président fondateur de Progressa, j'étais le président de la SCAC Socopao, c'est-à-dire de ce qui est aujourd'hui le groupe Bolloré. Donc, en ce qui concerne les exploitations dont vous parlez, j'ai eu l'occasion de m'y rendre moi-même, et quand j'ai vu le reportage, j'ai trouvé que tout ce que disait M. Valec était parfaitement exact. Donc, j'espère, si vous voulez, qu'il va pouvoir faire prospérer sa plainte. Je suis très étonné qu'il fasse l'objet d'une procédure contre lui au Cameroun. Il fait aussi l'objet de procédures en France. Enfin, vous savez, ça, c'est la méthode Bolloré, c'est-à-dire que dès que vous citez son nom, vous faites l'objet d'une plainte en diffamation, etc., etc. Et je pense que cette émission a été remarquablement bien faite, et je pense que tout ce qui a été dit sur l'exploitation des enfants hôtes, et moi personnellement je l'ai constaté naguère, je pense que tout ceci est parfaitement exact, et je pense que maintenant qu'en France, le poteau rose est découvert, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, tout le monde sait quelles sont les méthodes de M. Bolloré, et il suffit de lire sa mise en examen, les motifs de sa mise en examen tels qu'ils sont rédigés par le juge Tourneur, pour ne pas être étonné de ce qui se passe au Cameroun et qui s'inscrit parfaitement dans les méthodes utilisées par ce personnage et qui consiste premièrement à avoir des monopoles en Afrique, deuxièmement, à éliminer ses concurrents, et troisièmement, à s'attirer la bienveillance de toutes les autorités administratives et politiques par les moyens qui, précisément, lui valent aujourd'hui une mise en examen. Alors, nous parlons peut-être, avant de vous libérer, hein, Paul Dupuis d'Oby, il y a aussi un autre port, le port en eau profonde de Kribi. Est-ce que c'est par les mêmes méthodes que M. Bolloré est en train de se l'octroyer ? Alors écoutez, ça, sur le port de Kribi, je ne peux rien vous dire, parce que je ne connais pas le sujet. Moi, j'ai perdu toutes mes entreprises en 2009, quand avec l'aide de l'armée, M. Bolloré, comme il l'avait fait en Guinée, m'a fait chasser du Togo, avec la bienveillance active de M. Niasimbe et de son homme de main, si je puis dire, le doyen Charles Delache. Donc, à cette époque-là, Kribi n'était qu'un projet, et je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur ce qui s'est passé à Kribi, parce que, premièrement, je ne suis pas concerné, ce qui n'est pas le cas pour le terminal de Douala, et deuxièmement, je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'avoir un avis. J'ai vu le reportage à la télévision, toujours de M. Valec, sur les méthodes de travail de Bolloré. Disons que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ne m'a pas étonné. Mais, personnellement, je ne peux rien vous dire parce que, encore une fois, je ne suis pas concerné. Et deuxièmement, je n'ai pas d'éléments tangents pour vous en parler, à l'inverse du terminal de Douala, où là, je connais parfaitement l'affaire puisque j'ai été la victime des actes de corruption de M. Bolloré et qu'une concession que je devais avoir
ne m'a pas été donné pour des raisons que je vous laisse deviner. On peut comprendre. Alors, juste peut-être un autre point concernant l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 au Cameroun. On sait que là également, c'est M. Bouloré qui a quand même la responsabilité, je veux dire, qui est à la tête de ce groupe Camrail, et dont le train a fait une centaine de victimes au Cameroun. L'affaire est toujours en justice. Est-ce que cette affaire pourrait aussi intéresser la justice française au point de donner le verdict qu'il faut de l'autre côté? Écoutez, bon, je connais bien la Camrail, bien sûr, puisque, comme vous le savez, je connais très bien le Cameroun. Je suis allé je ne sais combien de fois au Cameroun, notamment à l'occasion, d'une part lorsque j'étais président de la SCAC Chocopao dans le temps, puis lorsque j'étais vice-président de Bouygues pour d'autres motifs, et enfin, en tant que président de Progossa, lorsque nous avons soumissionné pour le terminal de Douala. Donc, à cette époque-là, j'ai pu voir ce qu'il en était de la Camrail. Je ne suis pas un expert ferroviaire, je vous le dis tout de suite. Néanmoins, je vous rappelle qu'au Congo-Kinshasa, c'est le groupe Progossa qui avait remporté l'appel d'offres de gestion de l'ONATRA, et que l'ONATRA comportait plusieurs moyens de prêt, post-acheminement et portuaire. Et donc la petite expérience que j'ai eue à travers la gestion de l'ONATRA m'apprend, si vous voulez, que notre façon de gérer à l'ONATRA n'était pas tout à fait la même que celle de M. Bolloré en ce qui concerne la Camrail. Par ailleurs, j'ai vu aussi en matière ferroviaire comment M. Bolloré s'est attaqué à M. Samuel Dessous dans le cadre de la boucle ferroviaire du Bénin, même méthode encore une fois. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé chez Camrail. Je connais bien Nesseka d'ailleurs, parce que entre autres, l'évêque Nesseka, Mgr Bogumi, c'est un de mes très grands amis. Je trouve cette affaire absolument gravissime, et j'espère que puisqu'on en est au grand déballage, parce que c'est quand même de ça dont il va s'agir, on va, dans le domaine ferroviaire, comme dans les autres domaines, faire l'inventaire de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Mais j'ai quelques raisons de penser que ce qui s'est passé à la Camrail doit être assez semblable à ce qui s'est passé dans d'autres domaines. Or, vous le savez, par exemple, au port de Douala, lorsque nous avons répondu, nous, à l'appel d'offres du terminal, le matériel était dans un état absolument déplorable. Les terminaux étaient dans un état de désuétude que le gouvernement du Cameroun reconnaissait lui-même, d'ailleurs. Donc, par conséquent, il n'est pas dans les habitudes de M. Bolloré de mettre du matériel neuf là où il peut mettre du matériel rafistolé. Et je me demande si, au Cameroun, si dans le cas de la Camrail, le nécessaire avait été fait. Mais là, encore une fois, je ne porte pas de jugement parce que, d'abord, je ne suis pas un spécialiste ferroviaire, sauf l'expérience acquise à l'ONATRA à Kinshasa, mais je sais qu'à l'époque, je m'étais intéressé à la Camrail parce que j'envisageais éventuellement, compte tenu de notre expérience à Kinshasa, de soumettre notre candidature, et l'étude que nous avions faite sur l'état de la société, pour le moins qu'on puisse dire, n'était pas très réjouissante. Alors, Jacques Dupuy-Dobby, alors une question maintenant à l'endroit, une question de téléspectateurs, puisque nous sommes suivis un peu partout dans le monde, et nos téléspectateurs nous écrivent en somme ce qu'ils nous demandent. Quel est le bénéfice que l'Africain lambda peut tirer de cette affaire aujourd'hui qui met Vincent Bolloré en examen? Peut-on en profiter pour chasser, c'est l'expression de nos téléspectateurs bien sûr, Vincent Bolloré de l'Afrique? Je ne comprends pas très bien le sens de votre question. Alors, la question ici est celle de savoir quel est le bénéfice aujourd'hui que l'Africain lambda peut tirer de cette affaire qui met Vincent Bolloré en examen. Est-ce que les Africains, qui le veulent bien sûr, est-ce qu'ils peuvent profiter de cette occasion pour écarter Vincent Bolloré de leurs différentes affaires, je vais dire? Ben écoutez, je pense que aujourd'hui, cette mise en examen de Vincent Bolloré est la confirmation de ce que tous les Africains savaient. Bon. Je ne connais pas de pays d'Afrique où sévissent M. Bolloré, où l'Africain, même de base,
ne connaissais pas les méthodes de M. Bolloré. Ce que je constate simplement, si vous voulez, je prends par exemple le pont du terminal de Douala. L'offre que nous avions faite et dans laquelle nous avions gagné sous contrôle de la Banque mondiale, je vous rappelle, nous avions fait toute une étude sur les tarifs pratiqués au port de Douala. C'était des tarifs absolument exorbitants, je dis bien exorbitants. Et les offres que nous avions faites étaient pratiquement des tarifs divisés par deux ou trois. Bah, il est bien évident que lorsque, pour faire du pognon, parce que c'est de ça dont il s'agit, sur le dos de l'Afrique, on pratique dans les ports des tarifs qui sont monstrueux. D'ailleurs, je crois que les transitaires de Douala s'en sont plaints de très très nombreuses reprises. Bah, il est bien évident que celui qui paye in fine, cher monsieur, bah, c'est le consommateur. Il faut bien que les tarifs exorbitants de manutention, de transit, etc., qui sont pratiqués par Bolloré, soient payés par quelqu'un. Donc celui qui paye, bah, c'est le Camerounais de base, qui, sur les importations, c'est-à-dire sur sa vie de tous les jours, doit payer indirectement, mais payer néanmoins à travers le coût des marchandises, les tarifs pratiqués par M. Bolloré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il veut être en monopole partout. Regardez ce qui s'est passé à Abidjan. Pourquoi est-ce que nous avons perdu le Togo? Pourquoi est-ce qu'on nous a arraché le Togo avec l'aide de l'armée, je vous rappelle? Ben, c'est parce que les tarifs que nous profitions au Togo sur les mêmes bateaux, sur le même range, étaient trois fois moins chers que ceux de Bolloré à Abidjan. Bon, voilà. Donc, je pense, si vous voulez, que si les gouvernements africains veulent bien se pencher sur le véritable problème, qui est un problème, si vous voulez, des répercussions sur le coût de la vie pour l'Africain de base, c'est ce que vous me posez en parlant de l'Africain lambda, c'est ça le sens de votre question. Bah, je pense qu'ils peuvent peut-être espérer, si la justice suit son cours et si la justice française est relayée par les justices africaines, ce que je demande à voir, eh bien, il se peut, si vous voulez, qu'on arrive à des gestions des ports dont il a la charge, plus raisonnables, avec des tarifs autres, avec des investissements différents. Et je pense, si vous voulez, que peut-être qu'il va y avoir, un assainissement du marché. Et si assainissement il y a, si on revient à des pratiques normales, eh bien, je pense que, si vous voulez, les Africains de base pourraient en tirer quelques bénéfices. Mais est-ce que ceci se fera? Écoutez, vous savez, j'ai travaillé 40 ans en Afrique. Alors, je connais un petit peu ce continent que j'aime beaucoup, mais je connais aussi tous les problèmes. Je ne vais pas les détailler ici. Je vous dis simplement que cette mise en examen est extrêmement importante, parce que maintenant, les Africains peuvent demander des comptes. Il faut qu'ils demandent des comptes à leur gouvernement. Pourquoi telle ou telle exploitation est-elle donnée en monopole et de façon irrégulière à M. Bolloré? Pourquoi? Ben, le juge Turner, qui, comme vous le savez, est quand même le juge le plus d'instruction, le plus important, c'est quand même, je vous rappelle, c'est lui qui l'autre jour a mis également en examen le grand ami de M. Bolloré, à savoir l'ex-président de la République, Sarkozy. Je pense que ce juge qui a fait preuve d'un courage tout à fait extraordinaire, je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est que de mettre en examen M. Bolloré. Eh bien, ce juge, et ainsi que celle qui travaille avec lui, la co-juge, qui a la co-responsabilité, à savoir Mme Burelli, je pense que ces juges, si vous voulez, viennent de rendre un très grand service à l'Afrique, mais connaissant les moyens de M. Bolloré, notamment au niveau de la communication, je ne suis pas sûr que tout ceci aura les répercussions voulues. En tout cas, moi, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas à mon âge que je vais aller reprendre des activités opérationnelles en Afrique. Je demande à être indemnisé, bien sûr. Je veux être indemnisé de ce que M. Bolloré m'a volé dans différents pays, mais je n'ai pas. Mon objectif n'est pas d'aller remonter des affaires en Afrique. Je pense qu'il y a un âge pour tout. Mais je pense, si vous voulez, qu'il faut que vous dites-le à vos auditeurs. Et ça, c'est votre rôle. C'est le rôle des médias, vous comprenez? C'est votre rôle de dire, ben voilà, maintenant, il n'est peut-être pas coupable, hein, parce que, attention, il est en, comment ça s'appelle,
il est en examen, ça veut pas dire qu'il est coupable. Hein. Oui. Pour le moment, il est innocent. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que la justice ira jusqu'au bout, aussi bien en France et en Afrique, en souhaitant que les gouvernements, que les justices locales, et par exemple la justice camerounaise, dans le cas qui vous intéresse, fassent leur travail et fassent toute la lumière en mettant à plat les méthodes de travail de ce monsieur. Très bien. Merci à vous, Jacques Dupuis-Dauby, d'avoir accepté d'échanger avec nous dans le cadre de cette affaire. Vincent Tout-Puissant, peut-être la fin. Voilà. À très bientôt. Merci en tout cas, Jacques Dupuis-Dauby. Très bientôt, j'espère, et au revoir. Au revoir. Et voilà qui est bien dit, hein. Jacques Dupuis-Dauby est revenu sur toute cette situation. Je rappelle d'ailleurs, il a cité Maître Constant Koum, c'est le cabinet Koum et Partner, et il a dit quelque chose de très très important, que la Banque mondiale a certifié que son entreprise avait effectivement gagné l'appel d'offres. Le président de la République du Cameroun l'avait confirmé, mais président Bandakani, et c'est pour ça que je posais la question à Samuel Dieunodor Yumbi, que cet État profond qui fait ombrage, obstacle à tout au Cameroun jusqu'à ce niveau. Et l'on constate que ce dossier reste toujours plombé à la chambre administrative, de la cour tribunal administratif du Vouri, jusqu'à présent. Monsieur Beretoudi, passons à un niveau supérieur d'analyse de l'État profond. Parce que les gens, quand on parle, ils pensent qu'on blague. D'abord, vous avez vu M. Dupuis-Dubi, il répète ce que nous on a dit ici depuis. Voilà, donc, OK. Et il sait de quoi il parle. Puisqu'il faisait le même travail pratiquement que M. Bolloré. C'est un maître de port, parlons comme ça. Le principe de l'État profond, c'est de faire du président une marionnette au service d'un système sous-étatique qu'on ne voit pas, mais qui contrôle tout et fait du président le bouc émissaire. C'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, quand on parle de l'État profond, voilà pourquoi tous les présidents américains étaient des marionnettes de l'État profond. Sauf un, M. Trump. Et voilà son problème. Parce que tous les présidents américains avant Trump étaient très à l'aise d'être des agents, des pions de l'État profond. Et ils n'avaient pas de problème. Mais Trump vient, il dit, monsieur, moi je suis le président. Je suis le président, je ne reçois pas les ordres de vous. Et voilà tous ces problèmes. Donc au Cameroun, si c'est vrai à ce niveau, au Cameroun c'est le même problème. Vous avez l'État profond dans sa première couche fondamentale installée par De Gaulle et Foucault. Ça c'est la première couche. Et maintenant on vient superposer dessus l'autre couche endogène. L'autre couche endogène fabriquée de toutes pièces par M. Foucault et M. De Gaulle, constituée par des ministres, par des hauts fonctionnaires, des personnes qui auparavant ont des pactes secrets dans des loges, c'est bien tout dit. Ils ont des pactes secrets, on les tient, et ils ne peuvent que faire le sabotage, parce qu'ils ont des pactes. Quand vous avez affaire à une pareille génération d'individus, mais vous avez des problèmes terribles, c'est bien tout dit. Des gens qui sont fabriqués spirituellement, en plus, ils sont fondamentalement corrompus, parce qu'en tant que produit d'un système diabolique, et qui s'installe au cœur de l'État, comme étant une sous-matrice de l'État, M. Bertoudi. Mais c'est grave. C'est un problème terrible, M. Bertoudi. Donc, voilà la matrice, la base à partir de laquelle on veut marionnettiser le président. Et le président donne une lettre à quelqu'un pour dire que tu as gagné le port. Il explique que donnez-lui le port. Monsieur Jacques Dupuis-Dauby a la lettre. C'est lui qui le dit. Moi, je l'ai amené ici. Je ne savais même pas que la... Il a la lettre. La Banque mondiale reconnaît. Je reconnais, oui. Mais dites-moi donc, d'où vient la puissance de l'État profond pour saboter le président et le narguer en plein jour. Et maintenant, deuxièmement, dis à la Banque mondiale, va te faire foutre, toi, Banque mondiale, et placer l'individu qui n'a aucune garantie en matière d'appel d'offres. Que garantie, il prend le port cadeau. Rien. C'est ça l'État profond. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le problème des États africains en général et celui particulier du Cameroun. C'est ça l'État profond, c'est bien tout dit. Et cet État profond, c'est au-delà de l'État. Ça, c'est tentacule dans l'opposition, dans la société civile, dans le clergé,
qu'ils soient musulmans ou catholiques, tout ce que vous voulez. Ils mangent tous là-dedans, tous, on les tient. Tous, on les tient. Monsieur Bolloré a ses évêques, il a ses prêtres, il a même ses cardinaux en Afrique. Il a ses partis d'opposition qu'il crée et finance d'ailleurs. Il a maintenant alors la puissance médiatique. Monsieur Duby vous a parlé de sa puissance médiatique. Monsieur Bolloré a investi beaucoup dans les médias. Beaucoup dans les médias. Dans les médias. Il fait même souvent de la communication géopolitique. C'est-à-dire qu'il prend, en charge la campagne d'un président et en retour, vous lui donnez des ports. Vous lui donnez des monopoles chez vous. Mais c'est clair. C'est cela l'état profond. Et quand on voit un voyou de cette dimension, cette dimension de voyoutisme n'est pas possible. Pouvoir entrer dans une enceinte que nous supposons être sacrée, qu'on appelle cour d'arbitrage, on est également. Comment un cour d'arbitrage peut recevoir un pareil, monsieur? Comment un cour d'arbitrage peut recevoir un démon de cette dimension? C'est-à-dire un démon de cette dimension est reçu dans un cour d'arbitrage. On fait l'arbitrage avec un démon. Donc, ça veut dire que cette cour d'arbitrage est un cour d'arbitrage démoniaque, monsieur Bertoudi. Et c'est pour ça qu'ils ont infiltré dans l'article, dans la convention, l'article 31, pour justement démoniser la convention, pour qu'à terme, M. Bolloré puisse faire le chantage qu'il a fait au Cameroun. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, M. Bertoudi. Ça ne marchera pas. Donc l'enjeu, il est là. Tout ce qu'on va dire là, il est là. L'enjeu, c'est ça. Il faut casser l'état profond. Il faut un démantèlement radical de l'état profond au Cameroun. C'est-à-dire que c'est une affaire de vie ou de mort pour le Cameroun. Il faut démanteler ça. Parce que tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'après le président Biya, il prend le pouvoir. Pour continuer quoi? Pour nous donner encore 100 ans, 200 ans de misère avec les Bolloré et consorts? Non, l'enjeu, il est là. L'affaire Bolloré, au-delà de cette sanction bidon de la cour d'habitat de démon, pose le problème sur la table au Cameroun de l'état profond. Est-ce que les Camerounais sont capables de démanteler radicalement l'état profond? Voilà l'enjeu politique de l'affaire. Parce qu'en démantelant l'état profond, vous démantelez la même mise de la France sur vos pays, vous démantelez la même mise étrangère sur votre pays. C'est de cela qu'il s'agit, M. Bertoudi. Dites-moi, ce M. Bolloré, il a fait comment? Je l'ai demandé, je l'ai posé hier. Vous l'appelez hier, on a fait un débat le matin. Je vous ai demandé qu'on me dise par quelle magie M. Bolloré a pu obtenir la concession de 2004. M. Dupuy-Dubuy vient de vous répondre. Et c'est grave. Et c'est grave le niveau de corruption. Parce que la Banque mondiale, elle est déjà une institution corrompue, la Banque mondiale. Si maintenant quelqu'un est plus corrompu que la Banque mondiale, et a la capacité dans un pays de dire à la Banque mondiale va te faire foutre, de dire au président qui donne une lettre à quelqu'un, qui fait une instruction écrite pour dire donnez le port à ce monsieur. On déchire la lettre du président et on donne le port à M. Bolloré. Allez comprendre à quoi on a affaire. Merci. Alors, Samuel Dieunedor Yumbi, avant de prendre les téléspectateurs, d'ailleurs, vous deux, vous avez écouté Jacques Dupuy-Dubuy. Je rappelle que c'est un dossier côté camerounais, conduit par le cabinet Koum et Partner. Vous avez compris comment il a cité Maître Koum pour avoir travaillé avec ce cabinet. Dans un dossier de près de 500 pages, avec ce qu'il a dit là tout à l'heure, que la Banque mondiale a clairement reconnu, selon les standards requis, que cette concession avait été gagnée par son entreprise. Mais malheureusement, l'affaire avait été plombée par la justice camerounaise, une justice camerounaise qui devient très habile ces jours-ci dans cette affaire entre le port autonome et Bolloré, alors que nous sommes en fin de concession et que ce dossier, ces plaintes ont été enterrées de Jacques Dupuy-Dubuy depuis après 2004, 2006, 2007, 2008, 2009. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de cette intervention, Samuel Dieunedor Yumbi? Le problème technique, M. Robert Toundi. Tout ce que nous pouvions déjà récapituliser sur ce dossier pour voir, c'est que M. Bolloré n'a pas usurpé du nom de la France ou semé sa pagaille en Afrique. Et de deux, nous pouvons savoir tout simplement que l'affaire Bolloré vient mettre à nu le système de cet état profond au Cameroun en particulier et en général en Afrique. Parce que cet état profond, ce n'est que la continuité de l'impérialisme en Afrique et en particulier au Cameroun. Et cela, ça revient à nous rappeler le G11 que nous avons connu au Cameroun, qui était cette branche politique et qui voulait le pouvoir, anticiper le pouvoir
Et ils sont partis. Et il y a encore ceux-là qui sont restés parce que ce sont cette équipe G11 qui étaient les fameux acteurs de soutien de M. Bolloré qui ont pu, à l'époque, déchirer la lettre écrite par la présidente de la République, comme M. Jacques Dupuis vient de nous rappeler actuellement, ce qui vient encore nous renforcer dans cette dynamique de savoir que l'État profond qui est au Cameroun doit être démantelé pour que la nation camerounaise souveraine que nous avons tous depuis près de 38 ans lutté pour la mettre ensemble debout et pour les générations futures soit un État stable. Parce que si nous ne pouvons pas la démanteler aujourd'hui, ça veut dire d'ici quelques années, nous allons retourner rebelote dans la main de la colonie française de l'impérialisme et tous les méfiances escomptées par les Camerounais seront vouées à l'échec. Donc voici tout ce que nous pouvons tirer de cette analyse, de cette intervention de M. Jacques Dupuis qui nous rappelle formellement comment les prix, les tarifs qui ont été faits au niveau du port au temps de Bolloré étaient tout simplement pour récupérer et gagner de l'argent sur les contribuables camerounais et nous pouvons imaginer combien de milliards sont sortis dans les caisses des familles, dans les caisses des entreprises pour pouvoir enrichir M. Bolloré et qui a affaibli quelque part l'économie et les finances, ce dont l'État pouvait se remplir les caisses pour soutenir les populations. Et aujourd'hui, nous pouvons encore renchérir encore que la plainte qui a été déposée depuis qui dort dans les armoiries au niveau de la justice au Cameroun, ça vient encore tout simplement remettre sur la table cet état profond que tous les Camerounais aujourd'hui et tous les partis politiques au Cameroun, comme on l'a si bien vu dernièrement, c'était le MMP qui était descendu sur les plateaux pour défendre la souveraineté camerounaise, et donc nous pensons que tous les partis politiques aujourd'hui doivent faire pareil comme le parti au pouvoir est en train d'essayer de démêler pour pouvoir trouver en face tout cet état profond qui ont eu à déchiqueter l'émergence du Cameroun au départ et qu'aujourd'hui, cette émergence, nous avons le droit qu'elle soit quelque chose de vrai et elle sera vraie tout simplement dans la dynamique dont nous sommes lancés aujourd'hui et l'intervention de M. Dupuis vient renforcer encore les Camerounais à être plus déterminés à soutenir son excellence, M. Paul Biya, ou qui met une dirigeante, une enquête pour démanteler tout le reste de ce réseau des Camerounais qui sont dans son administration et qui sont soutenus, qui sont ceux-là qui sont restés après et ceux qui se retrouvent aujourd'hui en galère. Nous le savons bien que le tribunal spécial est à leur trousse et nous devons soutenir le tribunal spécial actuellement de pouvoir mettre sur pied, diligenter toutes les enquêtes partout où il faut à la base des données que nous avons aujourd'hui, mon cher Hubert Tony. Vous venez de le suivre par vous-même, Jacques Dupuis-Dobie, je précise, et c'est très clair. D'ailleurs, je salue Maître Constant Koum et le cabinet Koum et partenaire, d'ailleurs Jacques Dupuis-Dobie aussi, hein, pour avoir suivi ce dossier précisément pendant plus de 6 ans. C'est une corruption à ciel ouvert, ça c'est clair. Et c'est connu. Alors, ce qui est donc clair, c'est qu'il y a des criminels à col blanc qui se pavanent au Cameroun et qui sont en liberté. Et des gens qui doivent, en principe, être arrêtés parce qu'en principe, c'est des personnes qui, étant pour certains pratiquement dans les couloirs du chef de l'État, à ses côtés, dans les ministères et autres, font obstacle à tout ce qui doit être fait au Cameroun comme développement ou émergence. Alors, Alain Jules Meynier, on va boucler, on sort de ce dossier en disant que cette fois-ci, les Camerounais ont raison d'exiger le départ de Bolloré, mais ça va bousculer l'État profond et tout ce qui mangeait, c'est rien que pour le DIT ou le dragage, 44 milliards l'an. Ça peut atteindre une centaine de milliards le mois, je veux dire. Alors, ça va bousculer tous ces réseaux, Alain Jules Meynier. Vous savez, c'est très difficile
Alors, je crois que le président Badakhani l'a si bien dit, hein. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment aux États-Unis, avec ce qu'on nomme justement le deep state, c'est-à-dire l'état profond, prouve que cet état profond, pour le démanteler, il faut vraiment être très fort. Alors, je précise que l'état profond américain, c'est quoi en général? C'est justement ces gens qui tiennent ce pouvoir-là sans être vus. Par exemple, l'industrie de l'armement, etc., etc. Certains lobbies hyper puissants, n'est-ce pas, qui tiennent en fait l'Amérique en général, où tous les présidents pratiquement sont des marionnettes. D'ailleurs, je suis souvent surpris de voir certains Africains féliciter Obama, aimer Obama. Bon, probablement, c'est une histoire de couleur de peau, mais Obama, c'était une marionnette. Il faut rappeler quand même que le président Obama, c'est le président Obama avec les Sarkozy et autres qui ont assassiné Kadhafi. Kadhafi qui voulait justement la libération de l'Afrique. Ça veut tout dire. Donc, en réalité, aujourd'hui, il faut couper les têtes. Mais est-ce que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire les gens qui sont propres au sein du gouvernement camerounais, parce qu'il y a des brebis galeuses un peu partout, il faut le savoir, dans tous les corps, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France et ailleurs, notamment au Cameroun, puisqu'on parle du Cameroun. Donc, ce sont des gens, en réalité, qui sont dans des sectes. Il faut le dire, et n'ayons pas peur des mots, ce sont des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ce sont des gens qui sont dans des pratiques obscures, ce sont des gens qui ont vendu leur âme pour du fric, il faut le dire, sans embâge. Par conséquent, ces gens-là sont durs à démanteler, ces gens-là sont surpuissants, et bien évidemment, le concours des médias peut aider à quelque chose, et c'est-à-dire quoi? C'est la dénonciation, même si cette presse-là fera face, n'est-ce pas, aux tribunaux, parce que les gens vont les accuser de diffamation, etc. Mais vraiment, aujourd'hui, pour que le Cameroun puisse émerger, il faut couper ces têtes-là. Je ne sais pas si le président de la République pourra le faire, parce que, justement, il est combattu. Il est sérieusement combattu. Quand on apprend de M. Jacques Dupuy-Dauby qu'il a eu un courrier, n'est-ce pas, de la présidence de la République du Cameroun, le félicitant, en gros, c'est de ça qu'il s'agit, que voilà, le port, vous avez gagné l'appel d'offres, donc vous devez prendre le port et tout ça, et même la Banque mondiale qui a validé, n'est-ce pas, l'acquisition de ce port-là par ce monsieur, je crois que c'est extrêmement grave, c'est triste, ce sont des révélations qui font froid dans le dos. On se rend compte que finalement, pour s'en sortir, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut couper des têtes. Si nous ne coupons pas des têtes, on sera dans un cycle infernal, c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira jamais, le pays ne se développera jamais. Donc, il faut exclure les brebis galeuses. Et quand je parle de couper des têtes, je suis très sérieux. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'il faut éliminer. Parce que si on ne les élimine pas, bien évidemment, sachez que le pays n'évoluera pas. Je prends l'exemple du Ghana pour terminer. On a vu Jerry Rawlings qui a tué des chefs d'État, qui a tué des fonctionnaires, qui a tué des militaires. Bon, c'est mauvais de tuer, certes, mais aujourd'hui, on voit que le travail qu'il a fait, même comme je n'ai jamais soutenu cet homme-là, notamment parce que c'est quand même un appui des Ambazoniens, n'est-ce pas, c'est criminel et terroriste, bien évidemment. Mais je crois qu'on est arrivé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, plusieurs voix s'élèvent pour dire que finalement, après le président Paul Biya, qui est très magnanime, bien évidemment, qui ne coupe pas assez de têtes, il faut un dictateur au Cameroun pour faire avancer ce pays-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourra mettre hors d'état de nuire le deep state, c'est-à-dire l'état profond, qui sape en réalité l'évolution du Cameroun. Voilà, c'est ce que je peux dire pour sortir de ce sujet-là. On peut bien comprendre que même en étant journaliste, pour avoir parcouru la plupart de ces dossiers, il y a un titre, et je veux revenir sur ces titres, Vincent Bolloré renverse encore le port autonome à Paris. C'est un titre de quelqu'un qui bénéficie d'un décret du président de la République et qui s'est donné
donneur de leçons à un moment donné, devant Afrique Média, devant les responsabilités d'Afrique Média, donneur de leçons sur un plan médiatique. Alors, quand celui-là exulte de cette manière, peut-être qu'il ne connaît pas, il est très naïf, il ne connaît pas ce que Jacques Dupuis de Buis vient de dire là, ou alors il le connaît, mais il joue son rôle, président Bandakani. Pour ne pas le citer, c'est le journal Kalara. Ils ne sont pas naïfs. Et quand M. Bolloré fait même basse sur le port autonome de Douala, parce qu'il faut dire, même, il n'a pas gagné les concessions, il a fait même basse sur le port autonome de Douala, il ramasse la plupart des journalistes camerounais, toute tendance éditoriale confondue. Vous êtes un grand journaliste, vous savez ce que ça veut dire. On vous dit toute tendance éditoriale confondue. C'est-à-dire que M. Bolloré a la capacité au Cameroun de faire disparaître la diversité éditoriale du pays sur le plan médiatique à travers une super ligne éditoriale en sa faveur. Il le fait par, par le biais d'un voyage à Paris. Il a ramassé tous les médias camerounais. Il les a fait voyager. Il les a aidés à faire du tourisme professionnel. Ils sont allés à la Tour Eiffel. Ils ont visité les bureaux, ils ont parcouru la, ce qu'on appelle la meilleure avenue du monde. N'ayant pas gagné la concession. Bien sûr, c'est bien de le rappeler. Et ces médias savaient, ces médias étaient au courant de ce que subissait M. Dupuis Dobby, qui à l'époque avait pris le temps d'informer la presse camerounaise, M. Bertoundi. Et qui donc, a régulièrement gagné la concession. Clair et net. Donc, ils ont parcouru la, ce qu'on appelle la meilleure avenue du monde, l'Élysée. Les Français ont décrété que c'est la meilleure avenue du monde. Et vous savez que beaucoup d'Africains, en général Camerounais en particulier, sont très excités quand ils parcourent la meilleure avenue du monde. Ça les rend fous. Et Bolloré a donné les moyens pour qu'ils puissent entrer dans certains magasins. Et vous connaissez qu'il y a des gens qui, pour avoir acheté une chemise à la rue Élysée, ressuscitent des morts. Ils ressuscitent, quand ils meurent, ils ressuscitent. Pour avoir simplement... Il a acheté une chemise ou un habit, un truc à la rue de l'Élysée. Donc, M. Bolloré, connaissant très bien la psychologie des médias camerounais et de l'Africain en général, a compris qu'un voyage par avion de certains Africains, un voyage par avion, en plus avec une station dans la meilleure avenue du monde, et en plus maintenant une virée dans certains magasins, ça allait transformer toutes les lignes éditoriales du Cameroun. Il a compris ça. Des médias privés jusqu'aux médias officiels. Il faut le dire. Jusqu'aux médias officiels. Ça, il y a eu une transformation des lignes éditoriales au Cameroun qui tous ont fait un pacte non écrit que non, il faut attaquer tout le monde sauf M. Bolloré. Je suis en train de vous répondre. C'est de cela qu'il s'agit au Cameroun, M. Bertoundi. Ça veut dire que vous voyez, voilà un pays. Lorsque le président de la République remet le port au Cameroun, allez lire les médias. C'est ce qui fait donc la lettre du président de félicitations à Jacques Dupuis peut être froissée. Bègue. Mais je dis, quand on remet le port au Cameroun, après la fin, après l'épuisement de la concession de M. Bolloré, DIT, allez lire les médias camerounais. Les médias camerounais sont fâchés. Les médias camerounais en veulent au président de la République pour avoir posé un tel acte. C'est bien tout dit. C'est ça le pays qu'on appelle Cameroun. Allez vous demander pourquoi les médias d'un pays peuvent être mécontents qu'on retire une partie de la souveraineté du pays qui avait été confisquée par un voyou, qu'on remette ça au Cameroun avec les performances que nous voyons aujourd'hui, où un port qui nous rapportait moins de 4 milliards par an nous en rapporte près de 24, 25 milliards par an, M. Bertoundi. Par mois. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, et les gens sont fâchés au Cameroun et dansent, sont contents lorsque une sérieuse décision transparaît à Paris par le biais d'une soi-disant cour d'arbitrage. Monsieur Bertoundi, voilà le Cameroun. Voilà les problèmes que peut avoir un président camerounais. Voilà le deep state au Cameroun. Voilà le deep state, monsieur Bertoundi. Je voulais ajouter une chose. Regardez le comportement. L'élégance. Vous ajoutez, on va au sondage. Regardez l'élégance d'un monsieur comme monsieur Dupuis. Vous l'avez déjà entendu porter plainte contre le Cameroun, monsieur Bertoundi? Non, il faut parler de ces choses. Monsieur Dupuis de Bila n'a jamais porté plainte contre le Cameroun. Il est tranquille dans son coin, il respecte le Cameroun. Mais le Cameroun a tout donné à Monsieur Bolloré. Le Cameroun a tout donné à ce voyou.
Il a tout pris chez nous, et jusqu'aujourd'hui encore, il continue à prendre. Mais comme récompense, M. Bolloré va nous traîner dans un cours d'arbitrage. Pourquoi? L'état profond. L'état profond, mon cher Hubert a tout dit. C'est ça l'état profond. M. Bolloré a tout reçu au Cameroun. On lui a tout donné au Cameroun. Tout donné. Tout donné. Il a poignardé le président. Il a trahi les institutions camerounaises. Parce qu'il a enrichi certains réseaux à Yaoundé. Et plus grave, alors que nous sommes en train de réussir le pari de la valorisation du 21e siècle de la façade maritime, c'est bien tout dit. D'où sort le couteau? Le couteau de la mort sort d'où? Des mains de M. Bolloré. Derrière lui sont tapis les agents de l'état profond à Yaoundé. Alors, M. Mengele termine par là, nous a convoqué la tâche ardue que représente le démantèlement de l'état profond. Pareil pour mon ami Yumbi. Il nous démontre tout cela que c'est dur, et c'est vrai, M. Bertoundi. L'Amérique au bord de la guerre civile, pourquoi? Parce que M. Trump a entrepris le démantèlement de l'état profond. Et quand on voit les Africains, comme a rappelé mon ami Meunier, vous avez les opposants féliciter M. Biden, non? Vous voyez, quand vous voyez en Afrique, il y a une course aux félicitations de quelqu'un qui est déclaré élu par un communiqué de presse. Vous comprenez les enjeux, M. Bertoundi. C'est même le sort du monde qui se joue actuellement aux États-Unis, je l'avais dit ici. On est au bord d'une guerre civile aux États-Unis parce que M. Trump a démantelé, a engagé le démantèlement de l'état profond. Alors moi ici, je convoque l'action divine, M. Bertoundi. Ouais. Moi, je suis un homme de foi, vous le savez. Ah, vous convoquez l'action divine. Oui, je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Alors moi, je dis ceci, nous disons ceci. La puissance divine va assister le président camerounais pour le démantèlement de l'état profond. Et ça a d'ailleurs commencé. Comme la puissance divine va assister M. Trump pour en finir avec l'état profond américain, incarné par ce malade mental qu'on appelle Joe Biden. Les tueurs comme l'Obama et consorts, tous ces gens-là, les Larry Clinton, des criminels. Une femme qui s'est réjouie à Mondovision de la mort de Kadhafi. Et les Africains font seulement de ne pas voir ça. Obama qui a tué Kadhafi, qui a envoyé Babou à la Cour pénale, qui a détruit la dite. Obama qui voyageait avec les hommes d'affaires pour corrompre les États pour qu'ils signent l'homosexualité. Notre frère de peau. Les gens font seulement de ne pas voir. Les gens soutiennent quelqu'un comme Biden, qui est à la tête d'un gang le plus extrême de crimes en Ukraine et partout. Vous comprenez que ce soutien, ça vous renvoie à quoi au Cameroun? Ça vous renvoie que l'état profond camerounais n'est qu'une duplication endogène de l'état profond américain, français, occidental, dans l'autre pays. Vous voyez l'enjeu? Donc nous sommes ici aussi pour convoquer la puissance divine. Moi, je crois en Dieu. Je crois que le vrai Dieu agit dans la vie des hommes. Moi, je le crois. Je ne crois pas à ce type de religion qui dit que Dieu est loin dans nos affaires. Il n'intervient pas. Ce sont les histoires. Ça, c'est la sorcellerie. Dieu intervient dans nos affaires. C'est-à-dire Dieu, hein, puisque Alain Gilles Meyer convoquait l'hyperpuissance des frères, Rosicruciens, franc-maçons. Vous avez tout compris. Autres. Alors, les gens font la magie. Ils considèrent que la nature peut être soumise à des forces magiques, et ils nous disent à nous de ne pas croire au vrai Dieu. Et vous, comment ça? On dit de ne pas croire au vrai Dieu, alors que les gens là qui nous disent de ne pas croire au vrai Dieu font la magie. Ils font la pratique, des pratiques magiques, parce qu'ils manipulent les forces de la nature. Mais nous, on va au-delà. On dit que Dieu est le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, plus puissant que la nature, qui est sa création, peut intervenir, doit intervenir, quand les motivations sont pures, pour aider le président Biya à démanteler l'état profond, pour aider le président Trump à en finir avec l'état profond au USA. Et quand on aura fini ça, on aura fini avec Bolloré au Cameroun. Merci à vous, président Bandakani. De toutes les manières, j'ai donné certaines informations et des noms, je les ai cités et nous assumons cela parce que on ne peut pas en même temps être donneur de leçons et en même temps se retrouver dans des situations compromettante de vente à ciel ouvert de la souveraineté d'un pays alors que à un moment donné on donne des leçons. On va à Standard pour prendre ce premier jet d'appelant. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Ligne Rouge. Oui. Oui, bonjour. Bonjour Hubert Etoundi. Bonjour au président Bandakani et
à tes autres invités. Vraiment, depuis, je cherchais à intervenir par rapport à cette affaire de l'état profond. Il y a de cela 2 ans, 2 ou 3 ans, j'ai rencontré un monsieur, un Africain qui a passé toute sa vie aux États-Unis. Et il était un monsieur très brillant. Il était un monsieur très brillant. Est-ce qu'il est parti le télé? Qui vont à l'étranger, brillants, sont recrutés et renvoyés en Afrique pour venir créer cet état profond dont le président Bandakani est en train de dire. Ils sont là. Même si même si aujourd'hui on arrive à démanteler cet état profond, mais ils sont toujours en train de recruter. Et je veux parler pour ceux qui pensent que le christianisme ou bien le christianisme est le bras spirituel de l'impérialisme. Non. Le bras spirituel de l'impérialisme, c'est la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Eux qui forment le bras spirituel, les qui peuvent aujourd'hui combattre ce bras spirituel-là, ce sont les chrétiens panafricanistes. C'est pourquoi j'invite ces chrétiens-là à prendre au sérieux ce qui se passe dans nos États africains. Il faut qu'ils naissent aujourd'hui des chrétiens avec l'esprit panafricaniste. Parce que même ce bras spirituel qui est la franc-maçonnerie est même jusque dans l'Église, beaucoup de leaders Alors là, on va prendre Jamal qui nous attend depuis Yaoundé. Jamal, bonjour, bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour à vous et bonjour aux autres. Et vraiment, je suis très content du président Bandakani et des deux autres de nos confrères qui sont de l'autre côté. Et un salut spécial à M. Hubert Etundi. Tu as été vraiment impeccable hier avec le représentant de Ouattara sur le plateau. Ça, tu nous as prouvé qu'il y a encore des journalistes. Donc, après, immédiat, vous êtes complet. Je suis très fier, beaucoup fier. Un salut spécial pour toi, mon cher frère Hubert Etundi. Et je rentre dans le même système. Vous voyez, quand les gens disent, par exemple, le confrère qui est appelé là, il dit qu'ils sont toujours en train de recruter. Mais nous aussi, à travers le NMP, du président Bandakani et de l'UPC, nous aussi, avec, je suis très sûr, nous avons des avocats patriotes et nationalistes, nous avons des procureurs et des magistrats patriotes et nationalistes. Au sein de l'armée, nous avons des patriotes et des nationalistes. Ça veut dire que nous devons soutenir le président. Et même dans la société civile, nous nous connaissons entre nous. Et même dans les médias, nous nous connaissons entre nous. Il y a des patriotes nationalistes. Nous ne devons pas dormir. Le sommeil doit finir. Pourquoi je le dis? Faites un tour en Asie. Mais quand vous allez en Asie, tout appartient. C'est-à-dire qu'il y a que toutes les sociétés américaines et européennes sont en Asie. Mais ils ne parlent pas fort. Parce que les Asiatiques ont mis au-dessus les nationalistes. Ne les voyez pas, ils sont en civil. La moitié, c'est des militaires. C'est des gens de l'armée. De toutes les couches confondues. Des patriotes. Donc, c'est un peu cela que nous devons déjà adopter en Afrique. Et sortir dans les secteurs magiques de la France, Rosicrucien et consorts, on transforme nos propres frères camerounais et deviennent des homosexuels et deviennent des conneries. Et la masse, on te colle une jeune fille blanche, comme tu
qui arrive à Ouattara, ça a commencé avec Ali Bongo. C'est des enjeux au code Bani. On te colle une jeune fille blanche. Ou bien on te colle un jeune, une femme. On te colle un jeune blanc. C'est fini. Dans tout. Tu vends tout. Tu t'en fous de tout. C'est ça le problème du noir. Mais doucement, doucement, Afrique Média est en train de faire son travail. Et poussons nos propres frères, qui étaient déjà dans ça, de sortir. C'est comme ça. Donc, comme le président, ne les rejetons pas, mais contrôlons-les et en même temps, soyons stricts. Donc, il faut démanteler Bolloré, le faire partir. Ce n'est même pas un sentiment, ce n'est même pas un problème de pouvoir faire le jeu. C'est valable. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tombée. Parce que ce sont ces vertus nationales-là qui financent le terrorisme, où on nous impose en Afrique noire un présent illégal et anticonstitutionnel. C'est impensable, ça. Ce n'est pas Biden qui viendra nous sauver. Jamais. Moi, j'apprécie les Asiatiques. Parce que les Asiatiques ont ouvert les portes d'investissement aux Occidentaux, mais au-dessus de les nationalistes. Et puis, moi, tous ceux qui sont contre l'évolution de leur pays, si tu tentes, soit on t'élimine, soit on te radie, soit on te met de côté. C'est rien que les nationalistes qui contrôlent le pays. Ça fait que les sociétés américaines et européennes là-bas, ils sont obligés de respecter et de payer les taxes. C'est un peu ça. Donc ça va venir en Afrique noire, plus précisément à vous. Et une seule chose que le président de la République nous donne notre propre monnaie, qu'on la fabrique au Cameroun ou dans la sous-région, flexible. C'est pour ça qu'ils veulent forcer Ouattara, et c'est que Ouattara va venir imposer à l'Afrique, à l'Afrique centrale et autres, leur écho, qu'ils se trompent. Et il faut préparer la guerre. Nous avons l'uranium, nous avons les hommes. Je ne peux pas vous le répéter. Tout noir, qu'il soit allé à l'école ou pas, doit apprendre à piloter et fabriquer les bateaux. Nous avons l'uranium. Donc il faut être prêt à faire la guerre. Lorsque Macron dit qu'il faut embrasser, il faut embrasser l'Afrique avec force, ça veut dire que quoi? Ça dit beaucoup de choses. Donc le système d'élimination qui tue nos présidents dans l'obscurité, nous devons aussi agir comme ça. Un président noir qui tue sur le règne des présidents français, même après son mandat, on doit l'exécuter aussi. Je vous le dis, et ça va venir, et ça va arriver. Plus le nationalisme, le patriotisme monte, il faudra le faire. Sauf ceux qui vivront au Cameroun, c'est ceux qui paient les taxes, qui respectent les taxes. Regardez un pays comme le Cameroun, où il y a 200 sociétés expatriées. C'est eux qui imposent. C'est eux qui imposent. On nous dit que le chicam, alors que le chicam appartient aux blancs, c'est eux qui imposent. Ça doit s'arrêter. Kalabougad. À vous, Jamal, depuis Yaoundé, on reste. On a plus d'appelants justement, donc on va résumer. On a tout compris que Vincent Bolloré, comme le dit le courrier diplomatique, c'est un flibustier. Il s'est enrichi dans la corruption. Il n'a jamais gagné la concession du port autonome des DIT qu'il est en train de revendiquer aujourd'hui, là, acquis par corruption. D'ailleurs, selon le voyage des journalistes dont vous faites état, hein, président Bandakani, ils ont voyagé, ce que les sources révèlent. Ils sont allés s'installer, ils ont consommé, ils ont pris des camemberts. Et donc, après, vous avez dit tout à l'heure que dès qu'on entre dans cette avenue, on ressuscite la mort. Donc les camemberts que ces journalistes-là, après ce voyage de cette concession achetée, ont fait que ces journalistes, ils défendent après 10 ans. C'est quand même curieux. Après 10 ans, 15 ans. Il y a eu une mutation des lignes éditoriales. Il y a eu une mutation. Après avoir consommé du camembert. Je reviens à vous. On va en Côte d'Ivoire pour prendre Madame Cissé. Alors, Madame Cissé, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour Hubert Itungi. Bonjour à Bandakani, au président Bandakani. Bonjour à mes frères depuis l'Occident. Hubert Itungi, permettez-moi de vous dire merci aussi. Je vais emboîter le pas à Jamal pour votre brillance hier. Vous avez recadré. Et c'est les rigolos qui viennent sur les plateaux, qui pensent qu'on vient s'amuser, ils veulent traverser la vérité. Nous, on n'est plus dans ce système-là. Maintenant, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le modèle le plus achevé de tout ce que vous venez de décrire. La corruption, comment dirais-je, la corruption s'entremêle
avec les Illuminati, avec la franc-maçonnerie. C'est le modèle le plus achevé de toute cette entreprise criminelle-là, de toute cette mafia-là. Le président Bonakani, vraiment, il a parlé d'un point très important de ce problème-là. Les gens sont... C'est-à-dire que les Blancs nous ont enlevé les chaînes aux pieds et les mains, mais ils ont enchaîné notre esprit. Les Blancs, les Occidentaux ont enlevé nos chaînes aux pieds et sur nos mains et enchaîné les esprits. Comment expliquer que pour des unités sur une carte de communication, quelqu'un trahit son pays? Comment expliquer que des gens à qui, pour une bourse, ont trahi son pays? Et ça, notre justice, en Côte d'Ivoire, je me demande s'il y a une justice. Pour un salon qu'on va offrir, ils vont travestir la vérité, ils vont mentir. C'est-à-dire qu'on brime les oppressés et c'est comme ça qu'on dit, on construit l'État. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que le président Lacani, lui, il est dans l'espoir, mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes le problème? Les Africains sont, c'est-à-dire qu'on essaie de les éclairer, on essaie de les interpeller, on essaie de les enseigner, c'est-à-dire parler de tous les enjeux qui se trouvent dessus, ce qui se passe. Mais il y a des Africains qui refusent, comme une malédiction. C'est comme une malédiction. Est-ce que c'est n'est-ce pas parce que cet état profond est là que Bolloré aussi persiste et Bolloré aussi a de beaux jours devant lui? C'est parce que les gens sont là. Ils ne sont pas. C'est le manque de patriotisme, le manque de nationalisme qui nous conduit à ce tas de choses-là. Sinon, moi, je suis là, on regarde. Quand Bonakani parle, vous parlez du Cameroun, c'est textuellement la Côte d'Ivoire. Bolloré, c'est des gens qui n'aiment pas la concurrence. Ils veulent être dans un monopole. Je vous prends le cas d'une entreprise ici, la compagnie ivoirienne d'électricité, qui fait n'importe quoi. On vous envoie des factures tous les mois. Et on peut vous envoyer une facture que vous n'avez pas consommée, vous ne vous reconnaissez pas dans cette facture. Mais on vous envoie cette facture, on vous demande de payer parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ils sont sur un terrain, ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent, on prime. Je vous dis que c'est infernal. Et la sode ici, c'est-à-dire celle qui donne l'eau, c'est la même chose. Ils sont là pour exploiter, ils n'ont pas le droit d'entretenir les installations. On est où là? Quand est-ce que l'Afrique va sortir de cette misère-là? Mais c'est pas vrai! Je vous remercie. Nous vous remercions, Madame Cissé. Je ne sais pas si y a un autre appelant avant. Oui, nous avons conclu sur ce sujet. J'étais en train de vouloir, justement, vous avez un dernier mot très rapidement avant qu'on aille en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara est dos au mur. Amnesty International est assez clair et formel là-dessus. On a terminé avec... Le dernier mot, Hubert, puisque vous me faites l'honneur de le prononcer, ce serait justement à la suite de Mme Cissé, qui pose un problème, qui est vieux, qui est très vieux depuis, qui va même à la genèse même de l'Afrique, de notre histoire. C'est un vieux problème. Est-ce que c'est nous qui sommes le problème? C'est une question très dangereuse. Mais je dirais simplement à la suite de Mme Cissé que elle dit que je suis toujours un homme d'espoir. C'est plus que l'espoir. Parce que si nous considérons, M. Béretoundi, que c'est nous les Africains le problème, écoutez bien, le problème. Parce qu'une chose est d'être un problème. Autre chose est d'être responsable d'une situation qui vous accable. Autre chose est d'exercer de la responsabilité. C'est deux choses différentes. Oui, nous sommes responsables. Mais le problème, ce n'est pas nous. Parce que le but de la démarche de ces gens-là, le but de l'impérialisme, c'est de sceller à jamais le doute profond de l'Africain sur lui-même. Et une fois que c'est scellé, on est esclave à vie, M. Béretoundi. Les développements qu'il y a aujourd'hui en Europe et aux États-Unis démontrent que ce n'est pas un problème d'Africains. Beaucoup de Blancs sont même plus idiots que les Africains. Vous n'avez qu'à voir comment un petit gamin comme Macron peut soumettre la France, peut mettre un pays à genoux au nom de Jupiter. Un petit enfant qui ne connaît même pas la valeur d'avoir un enfant peut venir mettre une nation, une vieille nation comme la France, à genoux, avec du mensonge. Regardez les pays en Allemagne partout.
Vous demandez encore si les Occidentaux réfléchissent. On transforme une grippe en pandémie. Et à cause de ça, la vie s'arrête. En Allemagne, partout, mon cher Béthoundi. Donc, elle dit que cette dégradation de la force humaine est un problème général de l'espèce humaine. Ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que nous doutions sur nous-mêmes. Mais on est d'accord. Eh madame, si c'est que le problème du noir qui travaille contre le noir est un problème sérieux. C'est pour ça que pour le prendre en charge, M. Béthoundi, nous ne sommes pas l'Africanisme, ça veut dire quoi? Il faut dépasser la race. Attends, si je considère qu'Obama est mon frère, mais je suis malade. Si Obama devient mon frère parce qu'il est noir comme moi, je n'ai rien compris. On est perdu à jamais, M. Béthoundi. Donc il faut dépasser la race pour universaliser la compréhension de nos problèmes. Parce que dans l'universalisation, la vraie, qui suppose une véritable connexion avec le vrai Dieu, vous dégagez de la puissance. Et tout à l'heure, on va parler de la Côte d'Ivoire, où cette mauvaise lecture du problème nous amène à avoir des conceptions inappropriées de l'unité, des questions de l'unité, qui après débouchent sur des grosses erreurs stratégiques qui s'abattent encore sur nous et nous conduisent vers le découragement. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, je ne suis pas, je me décourage pas, parce que je dis et je répète, M. Béthoundi, nous avons une démarche universelle, véritablement universaliste. Il ne s'agit pas d'attaquer une race. Il s'agit de se battre pour l'espèce humaine. Et il y a des valeurs fondamentales qui ont permis à l'espèce humaine d'être ce qu'il est, d'être ce qu'elle est. Et cette valeur fondamentale, c'est d'abord, je répète, n'en déplaise à ceux qui veulent nous amener à être des athées. Ils ne réussiront pas. Ils demandent que nous on soit athées. La nuit, ils sont dans des pratiques les plus honteuses. Ils font la magie. Ils font des rituels sataniques. Sur couvert de roses, croix, francs-maçons, illuminatifs, des bêtises. Il nous demande d'être athée. Non, la valeur fondamentale, c'est le vrai Dieu. Je n'ai pas d'une religion. Hein. Moi, Banakali, je suis dans aucune religion. Je parle du vrai Dieu. Donc, ces valeurs fondamentales dégageront de la puissance qui permettra à l'Afrique de venir à bout de ses ennemis. Et nous sommes sur le chemin. Très rapidement, donc, avec Amnesty International et cette reconsidération d'Emmanuel Macron sur les relations entre l'Afrique et la France. On commence par Amnesty International. Alain Gilles Meunier, j'espère que vous avez parcouru le rapport de Amnesty International. Les choses sont désormais claires. Tuerie, viol, assassinat, meurtre, Amnesty International dit que cela doit s'arrêter. Ça ne doit plus être impuni. Et parce que dans le même registre, Amnesty International signale que des leaders politiques ont été arrêtés de manière arbitraire et que ceux-ci doivent être libérés par le pouvoir. En fait, Alassane Dramane Ouattara, puisque pour certains, il n'est plus président de la République, Alain Gilles Meunier. Oui. Amnesty International vient d'épingler Alassane Dramane Ouattara et exige la libération des leaders politiques, certains qui sont en prison, détenus, Pascal Afinguessan. Il a vécu, hein, c'est ce qui ressort du rapport, près de 60 heures dans le noir. Il a été coupé de sa famille, de ses avocats, arrêté de manière arbitraire. Amnesty International estime que c'en est de trop pour cette Côte d'Ivoire et que ces leaders politiques, les membres de la société civile, doivent être immédiatement libérés et que une vérité doit être faite sur les assassinats, les viols, les meurtres qui ont conduit, qui ont marqué cette période post-électorale. Oui, mais écoutez, je crois que je n'ai jamais été friand, n'est-ce pas, de ces ONG, n'est-ce pas, qui cherchent à imposer certaines choses à l'Afrique, hein, bien évidemment. Mais en ce qui s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut quand même noter qu'on ne peut pas balayer du revers de la main les plus de 80 morts qu'il y a eu pendant ces élections-là, simplement parce que des gens ne voulaient pas aller voter ou alors des gens manifestaient et on ne sait pas quel camp a effectivement envoyé
ce qu'on nomme les microbes allaient tuer des gens qui manifestaient pacifiquement. Alors, je crois que sur ce plan-là, je suis d'accord avec Amnesty International, et bien évidemment, j'ai aussi entendu le président Bédier dire hier qu'on ne peut pas dialoguer tant que des gens sont en prison. Alors, je trouve quand même assez cavalier de dire aujourd'hui que j'ai entendu le président Ouattara dire que bon, il faut que les gens sont partis, RHDP, aille auprès des populations pour la réconciliation, mais il ne peut pas y avoir de réconciliation quand il y a des arrestations arbitraires. Monsieur Afinguessan, on l'a vu, une vidéo où il était pratiquement terrorisé, interrogé quand même, ancien Premier ministre, interrogé par des gendarmes qui rigolaient et tout ça, il mangeait, je crois, une espèce de sandwich, ça fait florès sur les réseaux sociaux. Je crois quand même que quand on se revendique être un démocrate, je crois qu'on ne pratique pas ce genre de choses-là. Et donc, moi, personnellement, je crois que si des gens ne payent pas, et vous laissez à croire quand même que tous ces gens assassinés ont été assassinés par les gens du pouvoir, n'ayons pas peur de le dire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a vu le président Macron très gêné, n'est-ce pas, qui a demandé à M. Ouattara de réconcilier les Ivoiriens. Bon, il ne l'a pas fait pendant 10 ans. Je ne crois pas qu'il le fera par un coup de baguette magique. Il n'a jamais voulu de réconciliation. Je crois qu'il faut le dire clairement. C'est-à-dire que ce monsieur, qui a permis déjà que son prédécesseur, n'est-ce pas, se retrouve à la haie, alors que la Côte d'Ivoire n'a jamais fait partie, n'est-ce pas, du traité de Rome, je crois qu'il faut comprendre que ce monsieur ne veut pas d'opposition. Ce monsieur ne veut pratiquement pas que d'autres personnes se lèvent. D'ailleurs, sans soutenir M. Soro, on sait très bien que M. Soro a eu des problèmes avec lui simplement parce qu'il ne voulait pas faire partie du parti au pouvoir. Donc, je crois qu'on a très bien vu, un seul camp n'a pas été réprimandé après la crise post-électorale de 2011. Il s'agit simplement de ses partisans aussi, qui ont tué, qui ont massacré des gens. Je peux parler de je crois que c'est Dokroé ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Donc, je crois qu'il poursuit dans la même dynamique. Dans la même dynamique parce qu'il est soutenu par certainement la France, etc. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et je crois que là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Amnesty International. Si ce monsieur est un homme de paix, il doit libérer tous ces gens-là qu'il a arrêtés arbitrairement, sans jugement. Je crois que M. Mabry qui se retrouve carrément en prison, M. Afinguessan qui est coupé de tout, ce n'est pas possible. Quelle inhumanité! Ce n'est plus possible. Je crois que l'Afrique ne peut se développer qu'avec des gens qui veulent la paix. Et ce monsieur, quand on sait de manière cavalière comment il est entré en Côte d'Ivoire, de manière cavalière comment il est devenu ivoirien, je crois qu'il faut arrêter ça. Et il faut le dénoncer fermement. Et je crois que les félicitations de Macron qui ont été rendues publiques, on sait très bien que Macron est gêné, parce que Macron a soutenu le fait qu'il ne voulait pas partir à l'élection. Mais on sait aujourd'hui que ce président est illégitime, il faut le dire, à partir du moment où il a violé la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, il sait très bien l'appui que le PDCI peut avoir, et c'est pour ça qu'il a peur d'arrêter Conan Bédier. Il sait que s'il arrête M. Conan Bédier, il va embraser le pays. Donc, c'est la réalité. Il est dos au mur. Par conséquent, je crois que l'opposition aujourd'hui ivoirienne a les cartes en main. Et je crois que quand quelqu'un veut la paix, comme il prétend dire qu'il veut la paix, il accepte que le président Gbagbo retourne et qu'il ne soit pas poursuivi, puisque la CPI sait très bien que M. Gbagbo n'a rien fait. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, de M. Gbagbo, et pourquoi pas M. Soro, que ces gens repartent dans leur pays, que ces gens discutent avec lui. Et là, on saura si c'est vraiment un démocrate. Mais pour l'instant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une dictature. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Et dictature, pourquoi? Dictature parce qu'il y a un satrape au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est qui m'attriste parce que mon cœur, il est très ivoirien. Je n'entrerai pas dans le détail, mais mon cœur, il est très ivoirien. Et de voir les Ivoiriens souffrir de cette manière-là, C'est quand même triste, un pays où on dit qu'il y a la démocratie et où il y a la plupart des Ivoiriens qui meurent en Méditerranée. C'est quand même assez paradoxal.
Gilles Meynier, je rappelle qu'en lisant dans le fond ce rapport d'Amnesty International avec des témoignages, certains témoignages font état de ce que ce sont justement les partisans d'Alassane Draman Ouattara qui, parce que il y a eu des scènes avec des machettes, des fusils, des pistolets et autres qui s'opposaient à ceux qui avaient les menus pour empêcher le déroulement des élections. Il y a au moins 2 à 3 témoignages là-dedans. Alors, Samuel Dundor Yumbi, on est en train de partir de cette émission. Pour vous, est-ce qu'avec des situations comme celle-là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a vraiment les mains libres pour reconsidérer ou revoir les relations avec l'Afrique? Ou alors, est-ce que les chefs d'État africains eux-mêmes ne peuvent pas finalement revoir ces relations avec... on venait de parler de Vincent Bolloré, qui a pratiquement mis 46 pays africains dans le sac, dans ce cercle de la corruption. Voilà la Côte d'Ivoire, où finalement Amnesty International est obligé de dire à Alassane Draman Ouattara que ça s'apparente à des crimes contre l'humanité. Que font les États africains, au-delà de ce que Emmanuel Macron a projeté de reconsidérer les relations? Merci, Samuel Dundor Yumbi. Ce sujet, je me tenais vraiment tellement en cœur parce que quand on voit ce qui est venu du très profond de M. Macron, qui appelle à la reconsidération des relations, si nous faisons l'inverse en disant l'Afrique appelle à une reconsidération des relations avec la France en particulier et l'Europe en général, je pense que nous aurons trouvé la réponse en disant qu'aujourd'hui, la duplicité que M. Macron est en train de faire en Côte d'Ivoire sur le biais de Amnesty International nous prouve tout simplement que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une crise post-électorale au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Nous savons que depuis 2011, il y a un crime, un génocide intellectuel en Côte d'Ivoire. Il y a combien de milliards, combien d'hommes politiques, il y a combien d'enfants ivoiriens qui sont morts en prison, qui sont ceux-là qui devaient tenir l'émergence, le développement de la Côte d'Ivoire, qui ont disparu tout simplement parce qu'il y a une dictature adhérée soutenue par la France de monsieur, par la France en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'on revient 10 ans après, dans une crise post-électorale. Quelle crise post-électorale quand il n'y a pas une élection fiable en Côte d'Ivoire? Nous ne pouvons pas l'accepter qu'aujourd'hui, M. Macron vient demander une reconsidération des relations avec l'Afrique. C'est non, c'est l'Afrique qui demande plutôt à l'inverse une reconsidération de cette vision politique, de cette amitié entre la France et l'Afrique en particulier. Tout simplement parce que Macron, quand il dit que l'Europe ne pourra pas s'en sortir si l'Afrique ne réussit pas, c'est tout simplement pour nous dire, nous prendre encore dans une autre entourloupe, dans le langage qui ne nous sert plus à rien. Aujourd'hui, nous avons une réalité en face, que cette duplicité d'élection qui a eu en Côte d'Ivoire a mis à nu l'hypocrisie française, l'hypocrisie de la diplomatie française, l'hypocrisie de l'homme français, de l'homme européen vis-à-vis de l'État africain. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, Amnesty International va se lever pour dire qu'il y a eu des crimes, il y a eu des actions, il faut libérer les prisonniers politiques. C'est inadmissible tout simplement parce que ce que M. Afingessan est en train de vivre aujourd'hui, c'est inhumain. C'est un monsieur, c'est pour la deuxième fois qu'il se fait persécuter, qu'il se fait détruire intellectuellement, moralement, et il est encore vivant. Chance à lui. Voilà comment, quand je parle du génocide intellectuel, il y a d'autres qui ont vécu les mêmes et tortues comme lui, qui ont perdu la vie. Imaginez si M. Afingessa perdait la vie. Quels sont ceux qui vont régénérer la Côte d'Ivoire de demain? Il est encore jeune en tant qu'homme politique. Donc aujourd'hui, si vous demandez qu'il faut libérer les hommes politiques, nous pensons que c'est une responsabilité qui n'est pas à M. Macron, parce que le sentiment anti-français, les Africains ont compris qu'avec la France, on n'a plus rien à attendre de la France. C'est plutôt les pays africains qui doivent prendre la décision de dire hâte et que tout le peuple, les peuples africains de partout doivent sortir pour demander, nous voulons une Afrique où la démocratie est adaptée par rapport à nos
plaisir, où la démocratie apaisée nous donne la possibilité de développer notre pays, où la démocratie est moderne nous permet d'être, de donner de l'émergence à chaque jeune. Mais aujourd'hui, quand nous voyons ce que la France est en train de vouloir nous retourner dans cette entourloupe, nous pensons que Amnesty International ne vient que chercher à faire une duplicité dans le mental, le moral des Africains. Et je viens à soutenir monsieur le président Banakane qui a dit, si nous pouvons reconnaître que c'est nous qui sommes le malheur de l'Afrique, ça veut dire que nous avons tout faux. Et aujourd'hui, comme nous reconnaissons qu'il y a des problèmes en Afrique, c'est nous qui devons prendre la responsabilité d'évacuer ces problèmes par ceux qui ont apporté ces problèmes en Afrique. Et c'est par là que nous allons trouver la réponse de leur dire aujourd'hui que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une duplicité que M. Macron est en train, sur le biais de l'Amnesty International, que nous avons connu ce qui s'est passé au Cameroun avec l'Amnesty International, avec les satellites, qui veulent à tout prix nous reprendre encore sur une autre vision du jeu politique que nous le connaissons toujours, que nous le connaissons déjà, pour pouvoir endormir le peuple ivoirien et que nous, panafricains, nous ne pouvons pas accepter. S'il faudrait que les valeurs morales, intellectuelles de la parole de M. Emmanuel Macron soient faites, il faudrait que, dès que ce 4 matin, que tous les prisonniers qui sont en prison depuis 2010 soient relâchés et que M. Gbagbo puisse retourner en Côte d'Ivoire. En ce moment, tous ces opposants puissent retourner. Nous allons croire. Président Banakane, on arrive au terme de cette émission. On va conclure avec pratiquement cette situation ivoirienne, mais avec aussi, dans la même trame, Emmanuel Macron qui parle de réconciliation des relations avec l'Afrique. D'abord, je ne peux pas me féliciter de m'entendre avec Amnesty International. Donc, il y a des erreurs que moi, je ne commets pas. Amnesty International rejoint simplement, nous rejoint. Amnesty International nous rejoint. Parce qu'il découvre aujourd'hui que le président Ouattara viole les droits de l'homme. Or, nous, depuis 2010, quand Amnesty International et Human Rights Watch là, couvraient les crimes de la rébellion de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, nous, on exposait déjà ça. Donc, je n'ai pas à féliciter. Amnesty International rejoint. Nous rejoint simplement. Deuxièmement, Amnesty International ne comprend rien des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas être parrainé par M. George Soros, un malade mental, un criminel, et dire que vous défendez les droits de l'homme. Donc, je ne prends pas Amnesty International pour référence. Nous, on a l'avant-garde de cette affaire depuis très longtemps, 2010. Si maintenant, eux, ils découvrent parce qu'ils sont obligés, tant mieux. Deuxièmement, le combat des Ivoiriens impose le dialogue comme nouvelle façade, comme nouveau masque que la France veut revêtir en Côte d'Ivoire à travers son homme Lige, le président Ouattara, que les Ivoiriens ne soient pas dupes. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel, d'interpeller le patriarche Henri Konan Bédié. Parce que le plan du président Ouattara, c'est de reconstituer le RHDP. C'est-à-dire de se reconcilier avec le patriarche Bédié. Et d'un côté, utiliser la Afrique Nguessant pour diviser le Front populaire ivoirien et créer les conditions d'une certaine élargie sa base sociale qui est complètement explosée à la faveur de la crise que le pays vient de traverser et qui n'est pas finie. Donc nous interpellons le patriarche Henri Konan Bédié de ne pas faire l'erreur qu'il avait commis en 2010 lorsqu'au détriment de son pays, il a obéi aux ordres de Paris. À son âge, il n'a plus rien à perdre. Et lorsque le président Afrique Nguessant sortira de prison, nous qui nous sommes battus pour lui, on va continuer à le faire, qu'il n'oublie pas ce qu'il avait dit à France Inter, à France 24, que le président de son parti, c'est Laurent Gbagbo. De ne pas jouer le jeu de la division que M. Ouattara veut faire, parce que voilà les vrais enjeux. Si le CNT réussit, et je l'avais dit ici, que on va voir la vraie valeur de l'union de l'opposition après la présidence. C'est pour ça que j'avais dit que Ouattara passera par la force. Je l'avais dit ici. Nous, on fait l'analyse géopolitique et politique. On l'avait dit. Et j'avais dit qu'il passera, mais sa situation va s'aggraver encore. Tout ce que le président Ouattara va faire, c'est une malédiction. Ça va qu'empirer son sort. Mais ce Ouattara n'a pas envie de répondre de ses crimes. Il n'a pas. Voilà son problème. Pas de ses crimes. Et il va tout faire pour ne pas répondre de ses crimes. Donc, l'opposition doit garder une véritable unité, ça commence maintenant. Et les bases de l'unité, c'est le retour du président Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, qui rentrent dans leur pays. Et que
le président Gbagbo reprenne ses droits politiques en Côte d'Ivoire. Quand c'est réussi, mon cher Etoudi, la Côte d'Ivoire sortira de l'impasse. D'ailleurs, les Ivoiriens vont gagner ce combat. C'est une question d'un peu de temps. Merci. Merci à vous, Alain Gilles Meillet. Merci à vous, Samuel Diendor Yumbi, pour avoir participé à cette édition de Ligne Rouge. Merci à vous, président Bandakani. On aura tout compris sur cette situation de Bolloré avec ses esclaves des maisons qui sont allés manger le camembert, c'est ça, hein, à Paris, dans cette rue que vous connaissez. Quelques chemises et ils ont vendu la nation et la souveraineté camerounaise pour 15 années. Aujourd'hui, DIT est rattrapé par ses frasques, Bolloré aussi par toutes ses frasques en Afrique. Et c'est bien dommage. Vous avez dit que, quelle que soit la superpuissance des sectes Rose-Croix, franc-maçonnerie et autres, il y a un Dieu qui est au contrôle de tout et qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Avec lui, rien n'est au-dessus. Madame, monsieur, Afrique Média, le monde, c'est nous. Média de vérité, bonjour. Afrique!